C'est bon, le sang arrive, vous inquiétez pas. Présentation des decklists, puis vote, puis castagne. Voilà. Allez, on est parti pour les DL. Decklist. Vas-y, je te laisse entamer. Ah, je vais commencer par les tiennes. Tu vois, je voulais ah, être okay. Gentleman. Alors, attends, vas-y, dis-moi lesquelles tu ouvres, comme ça je peux. Alors, les miennes, c'est Aventure Rossage 1 et Fudo Frossage 2. Je vais commencer par celle qui ne contient pas de rouge, voilà. Donc, vous avez D'accord, vu, donc deux 4 decklists, civils. 4 couleurs. Hop, Ouais, je ce l'ouvre. soir je suis très coloré, je voulais me faire un petit kiff, un petit plaisir. Voilà, donc les decklists seront à retrouver sur le Discord, si je ne dis pas de bêtises. Il n'est pas là. Elles seront sur le Discord, Non. bien sûr, dès que stream, Donc. tu pourras aller mettre les tiennes à la fin du stream et j'irai mettre les Exactement. miennes. Donc sur le Discord ValetPL, dans le salon des decklists de stream, peut-être qu'on les mettra aussi sur Stream Decker si on en a envie, si on compte les rejouer à l'avenir. Voilà, tout simplement. Alors du Alors, coup, là, on commence présente ta par petite 4 decklist. civils. Essaye de faire de gauche à droite, ça m'aide pour montrer les cartes. Ouais, bah, Ou de droite en à vrai, c'est pas gauche. grave. Au pire, si tu montes pas forcément les cartes, je pense que Comme les tu gens veux. vont à peu près comprendre ce dont je parle. En gros, 4 Sémides, le but, c'est de reprendre un petit peu la version de Bantwolf. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous avez vu que j'ai beaucoup tryhardé le deck. J'ai réussi à enfin obtenir mon top 1000. J'ai réussi à faire top 200 monde avec. Eh ben Donc, je vais enfin! enfin pouvoir participer à un week-end qualifier. Je suis très content. Ouais, je vous annonce ça pour ceux qui ne le sauraient pas. Et donc, du coup, en grand, cette version de Bantwolf me plaisait pas mal. Et j'ai eu envie d'y intégrer un petit peu de noir parce que les mana fixing du standard le permettent, notamment Il était une fois et Wador et Druidesse de Paradis. Sachant que l'ajout d'une quatrième couleur, en fait, nous donne un terrain vert supplémentaire qui est le tombeau luxuriant. Donc, ça nous donne plus de sources de vert dégagées pour Wador. Donc, j'ai estimé qu'en vrai, de passer de 3 couleurs à 4 couleurs, ça n'empiétait pas trop sur la stabilité. Là où ça empiète vraiment, c'est sur Merci son pour le deal de don. PV contre aggro. Pardon, tu faisais quoi? Merci pour le don, Ziggle Sai. Ah, Parce que toi, merci beaucoup. il ne les entend pas, Val. Il n'entend pas Donc, les annonces. on y gagne. En fait, on n'y perd pas du tout en stabilité. On y perd si on tombe contre mono rouge. Je me doutais bien que ce soir, PL, elle n'est pas proposée mono rouge, donc ça ne me gêne pas trop. Et en vrai, mono rouge est un deck qui n'est pas joué en BO3 actuellement, qui sévit surtout sur le ladder B1. Donc voilà, j'ai considéré ça. Le reste, c'est une version, donc du coup, Bant Wolf plus classique, avec la petite synergie de Tolzimir, Garruk, Méchant Loup. Méchant Loup qui est une de mes cartes préférées du standard actuel. On joue la Vraska parce que ça répond énormément bien à Oko. Oko qui est un petit peu la plaie de ce standard actuellement. Oko tour 2 sur le play, c'est peut-être un win rate de 90%. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir perdu une game en faisant Oko sur le play. Donc c'est vraiment fort. Le petit Teferi est très très important pour se dépatouiller de Simic Flash qui est un des meilleurs decks du moment. Et puis après on a la Shell très classique que vous connaissez déjà de Nissa Krasis qui donne un petit peu de late game, un petit peu de survivabilité au paquet. Et vu qu'on joue du noir, on se fait plaisir avec un petit Assassin's Trophy. Pour le side, c'est j'allais dire c'est assez classique oui et non parce qu'en fait du coup on a accès à plein de couleurs donc il faut choisir. Les Royaumes Carcéraux pour exiler des trucs embêtants, les Égaux à la dérive si PL avait sorti Esper Stax. Chevalière de l'Automne, pareil, contre Stax. Bête de Quête, c'est contre les decks Champ des Morts. Ceratops, contre les decks Simic Flash et les decks Contrôle. Fin de la Légion, contre Champ des Morts. Emprise délétère, contre les paquets verts. Je pense que ça me sera utile ce soir, du coup. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour ça. Mais j'ai essayé quand même d'être assez précis sur ce que j'ai voulu faire. Très très bien Val. Oui, je vois que le curseur s'est encore décalé, malheureusement. Donc j'ai une solution mais que je ne peux pas mettre en place ce soir. Donc voilà, la prochaine fois normalement ce sera réparé. Val 2 le retour. L'autre Yes, donc decklist. 4C Adventure. Crainte à la primeur. Vas-y. Ouais. Ah attends, je vais Alors, juste du coup. modifier un peu les langues, qu'ils soient plus visibles comme ça. Ouais, bah attends, je te laisse un petit peu Voilà, bouger les langues. c'est bon, vas-y. En gros, 4 couleurs Adventure, pour le coup, c'est une decklist dans laquelle je suis vachement moins sûr, pour être très très honnête. C'est un deck déjà que j'ai pas eu le temps de beaucoup tester. C'est plus le côté rigolo de jouer 4 couleurs. On est en début de format, on se permet de tester des choses qui sont peut-être un petit peu lolilol. Au niveau stabilité, on est quand même beaucoup moins stable que les versions avec Wador et Druidesse de Paradis. L'idée principale du deck, c'était que en ce moment, il y a un deck qui perf qui s'appelle June d'Aventure qui a été créé par Crocaze, qui est super stylé. Sauf que moi, j'avais envie de jouer Naya Aventure pour maximiser la synergie géant. Il faut savoir qu'il y a une synergie qui est intéressante, c'est qu'on joue géant Krakos et géant de tige de haricot. Et en fait, il y a une carte aventure en blanc qui s'appelle Géant Drapé des Royaumes, qui en fait peut faire Wrath unilatéral dans ce deck-là, parce qu'il va détruire toutes les créatures de votre adversaire, mais vous ne va pas détruire vos géants. Comme si une aventure, ça s'intégrait bien. Donc au début, j'ai buildé un Naya Aventure, et puis après avoir discuté avec des gens, notamment avec PL, je me suis rendu compte quand même que en jouant Naya, on n'avait pas accès au noir, et que la cavalière meurtrière était trop impactante dans les builds d'aventure. Du coup, j'ai essayé de faire tenir ça en 4 couleurs.
On n'est pas sur le même niveau de stabilité, mais on est sur un bon niveau de délire, sur un bon niveau de fun. Donc j'espère que ça pourra marcher. Il y a un petit trick sympa, c'est le berger du troupeau que j'ai mis en one slot, parce qu'il permet de reprendre un des permanents qu'on contrôle, et notamment bah, n'importe laquelle de nos cartes qui va nous permettre de rejouer son aventure. Ça peut être très important si on a un trèfle porte-bonheur sur le champ de bataille. Ça peut être très important pour un géant drapé de royaume qui pourrait refaire Vras. Voilà, c'est un petit peu l'idée du paquet. On est sur sur de la rigolade quelque part. La mana base C'est un sacré paquet, Val. est solide par rapport à ce qu'on pourrait faire, mais voilà, on n'a pas pu faire mieux surtout, quoi. Et puis pour le side, c'est un side un peu golgaresque, classique, avec des contraintes, des emprises délétères. Trophy, Vraska et Tueur de géants, c'est pas mal parce que c'est une carte aventure, donc elle est plutôt intéressante. Voilà. Voilà. Je te laisse passer à tes Alors, decks. Merci beaucoup d'avoir fait la présentation pour moi. Alors, mais tu ne crois pas si bien dire, parce que j'ai mimé tout ce que tu disais. Ouais, j'ai vu, ouais. Ah, il a vu. Et il fait genre, ouais, j'ai pas le stream ouvert. Hein. Et je te vois par contre. Ah ben là, j'ai le stream ouvert, faut que je vois tes decklists, parce que toi, tu sais ce que je joue, mais moi, je ne sais pas ce que tu joues. Vous allez voir, il va faire effacement des pensées et il sait déjà quelle carte il va prendre. Il va cliquer tout de suite. Ah, c'est bizarre, Val, tu réfléchis vite ce soir. Mes deux decklists, du coup, je commence bah, par la plus stable, mais du coup qui perd de la superbe, puisque Val a déjà montré ça, mais en mode avec des néons sur le côté, un spoiler arrière, donc forcément. Ah Bon oui, toi, t'es en anniversaire à Démon version Blanc, que j'ai lu carré. ton message, mais Val était en train de démontrer. Merci beaucoup aux subs et aux bits et aux dons qu'il y a eu Merci pendant beaucoup. cette présentation. Vous êtes 738, donc vous êtes fous. Voilà, je peux le dire officiellement, vous êtes fous. Merci énormément d'être autant. Merci beaucoup. Du coup, pack Golgari Aventure Classique. J'ai hésité à Splash Rouge, mais quand j'ai vu Croquet jouer ça, il disait, ouais, c'est le best deck. Et je l'ai vu que faire des manades et perdre. Donc j'ai été un peu résultat orienté sur le coup. Et je me suis dit, bah, je vais plutôt rester sur cette version-là. Que j'ai pas mal testé, merci beaucoup pour les 100 bits. Et franchement, je l'ai testé en mode ah ouais, c'est aventure, j'ai toutes les cartes. Genre, j'ai créé genre. Ah non, j'avais même pas. Non, je crois que j'avais toutes les cartes déjà. Je me suis dit, bon, bah, Tu je dirais que cette teste. couleur est une pure folie du coup? Une pure aventure. Ah, une pure Oh, aventure. pas mal ça. Et Et j'ai testé voilà! ça, On merci a les beaucoup, mots! Cafinoman, sans y croire vraiment. Et c'était tellement plaisant, je suis sorti. J'ai dit à ma copine qui ne joue pas Magic, qui ne connaît pas. J'ai l'impression d'avoir rejoué à Magic avec ce deck. Je n'avais pas touché, enfin je n'avais pas eu cette sensation-là depuis bien longtemps sur le ladder à cause du standard faisant et tout qui était au goût de certains mais qui n'est pas vraiment à mon goût. Et là franchement je reprenais plaisir, c'était énorme. Non, vous n'avez pas raté le vote. Synergie, bon bah pour passer rapidement comme a dit Val, bah, c'est trèfle porte-bonheur à la clé du deck qui va vous permettre de doubler tout ce qui est chevalier putre fondrière. Pour piocher plus de cartes, Horde de Minuit pour reprendre des créatures pour refaire leurs aventures potentiellement, Tavernier de Bornemur, pardon, meilleure carte du jeu qui permet de piocher du coup à chaque fois, Cavalière Meurtrière, comme je disais à Val, quand le mec fait tour 2 Oko, si vous avez commencé, vous faites tour 3 avec Trèfle et Cavalière, je tue Oko, je tue Loi. Voilà, trop fort. Bête Frappée d'Amour, bah, parce que c'est sympa de faire pour un mana 2 tokens et d'avoir une 5-5. Dans le format, ça tient très très bien le board d'une 5-5. Vraska Ouais. qui est très présente. C'est pas une decklist que j'ai pris exactement d'internet, je l'ai un peu modifié. Il y avait plusieurs versions, donc moi j'ai fait un peu à ma sauce ce qu'ils trouvaient qui marchait bien. Le petit décèlement qui est quand même cool, non pas pour le décèlement, en fait pour le dessin, c'est très On a important de les pouvoir mots. Vras. Géant de Tige d'Haricot, bon bah MVP. Et Grand Cromlech, juste Merci avant pour le sub, de Primo. voir des listes qui en jouaient, genre dans la nuit j'y pensais, je me dis, oh, je vais en mettre deux. Pour Oui, toi, ce sera mes Chungbir. Et merci beaucoup pour le et don, Samir. voilà. Et je me Bonne suis nuit, dit, ouais, en me Caprius. couchant, tiens, je vais jouer ça demain dans le Il pack. fallait Et le le tuer, lendemain, je me la réveille, il y pauvre avait bête un avait top la qu'un rage. mec avait perf avec ça, dans cette liste. Donc, comme quoi, les grands esprits se rencontrent pas forcément, mais ils pourraient. Vu qu'on l'a bête frappé d'amour, ça permet de le curve. Pour le side, bah, assez classique en fait. Pour toi, mon Les Ceratops, parce qu'on est loup! obligé de Et respecter voilà, Dimmerflash. Merci beaucoup à bonne Danao pour le don. décadence. Il Bête de fallait le Quête, tuer, très la très fort dans le pauvre bête méta, mais avait c'est la pas très fort rage. main deck. Enfin, c'est fort, mais c'est pas trop fort main deck. Alors que en side, quand le mec surtout l'a pas vu à la une, il y a un petit effet vraiment très cool qui aura pas du coup parce que Val m'écoute, donc pas d'effet de surprise. Trophée de l'assassin, bah obligé d'avoir ça quand vous jouez ces couleurs-là. Décèlement d'essaim, puisque si vous avez besoin de Vras, Et c'est voilà, très très on sympa a dans les leur mots. plus. Emprise délétère, voile de l'été, contrainte, pas besoin d'en faire plus. Merci beaucoup pour le sub, David Yala. Et deuxième deck, Foudouf, Rossage. Pourquoi Foudouf, pourquoi pas? Voilà. Decklist niveau curve. Je vais peut-être mettre ça là, histoire que vous voyez un peu plus les landes. Voilà. Deck food, du coup, bah, c'est simple, j'ai pas grand-chose à dire dessus. On génère beaucoup de food avec Wador, Oko et Roi Troll Festoyant. On a également Piste de Miettes et Œuf d'Or
pour le food. Puisse de miettes, que je trouvais pas très bien au début, mais finalement qui fait grave le taf. Nissa Ekrasis, parce qu'on joue ses couleurs, donc pourquoi se priver de Nissa Ekrasis? C'est très très bien. Ça manque de value sinon dans le pack pour repiocher, avoir une menace, etc. 8 tour 1 histoire de vraiment bien l'accélérer. Il était une fois pour vraiment bien être au poil. Là, Druides One Slot, ça je vais pas vous le cacher, j'ai vu toutes les listes qui en jouaient tout le temps une, peu importe la version, donc je me suis dit qu'il y avait une raison et qu'il fallait en jouer une. Et puis voilà, le roi troll qui est une plaie quand il y a beaucoup de créatures en face, parce que les loups en fait, grâce au roi troll, c'est même pas le roi troll qui est intéressant, c'est le fait qu'il mette 3 tokens quand il arrive, et déjà soit il va revenir avec ça, soit en fait le méchant loup va juste être intuable pendant X temps quoi. Si t'as pas Oko, t'as perdu. Bah, j'ai fait des games sans Oko et ça s'est pas trop mal passé. Pour le coup, après je jouais pas contre un deck top tier, mais en fait vous avez tellement de moyens de. La clé c'est ça. Mais si vous avez ni Oko, ni méchant loup, ni roi troll, en même temps vous avez pas de chance. Donc si vous avez un des deux, c'est très bien, mais le mieux c'est vraiment d'avoir méchant loup avec au moins un drop 1 ou un drop 2 qui fait des tokens food. Ouais, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que tu es dépendant de tes créateurs de food. C'est surtout Ah, ça, par quoi. contre, les créateurs de food. Mais vous voyez, il y en a beaucoup parce qu'il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 et 4, il y en a 15. Donc un quart du deck crée des tokens food. Ce qui est quand même pas mal, surtout que Y a de Loi quoi faire. peut en créer tous les tours si jamais elle survit. Et puis le side, bah écoutez, tranquillou, je l'ai un petit peu modifié également. J'ai mis des disputes mystiques parce que je trouve que c'est fou de ne pas en mettre dans les sides avec la méta actuelle. Bon, tonneau de farouche, c'est très très cool contre Mono Rouge. Même s'ils sont peu là, mais surtout pour détruire artefacts enchantement. Deux Ashiok, parce que je sais pas du tout ce que ça donne le match-up contre Esper Stax. Et ça permet d'exiler cimetière, donc hyper. Voilà. Si vous faites ça contre Esper, je suis terminé. Bon. Ah, faut le faire bon Plutôt en bon, mauvais attention. pronostic le match-up contre Stax. Parce que ça marchera qu'une fois, parce qu'après, en fait, il va juste garder ses artefacts sur le board, les sacrifier et les ramener à la vie dans le même tour. Mais si jamais il les met au cimetière petit à petit, bah là, vous mettez Ashiok et paf, pastèque. Les Ceratops parce que mono bleu et vol d'été aussi parce que Simic pardon c'est l'enfer. Les deux bêtes de quête toujours. Ça c'est la petite pépite quoi. Et puis voilà. Rafale d'éther aussi en one slot parce que j'ai préféré mettre des Allez, disputes mystiques. on est parti, ça va donner du beau BO ce soir, je pense, hein. Ça va donner du beau BO. Je suis prêt. Ah, est-ce que j'ai mis J'ai en. jamais Ah, été aussi prêt, Pierre-Louis. en deux manches gagnantes, bien entendu. Ah bah, quand même, on s'est pas emmerdé à mettre un side pour rien, quand même. C'est parti, va. C'est parti Allez, pour let's go. ce. Troisième, heureusement si tu peux, si je ne m'abuse. C'est le quatrième, mais le premier sur la Spark TV avait plus un Ouais. goût d'annonce, malheureusement, donc on va dire que c'est le troisième. Comptons uniquement les rossements sur cette chaîne. Ouais. C'est parti. On avait dû un petit peu casser le délire, donc voilà quoi. C'est bien ça, D'accord, les c'est gars. toi qui commences. Bien joué. Merci. Ouais, la RNG est avec toi. Alors. Alors c'est très dur ça, Funny Snake, à mettre en place, de changer en fait que Streamval, parce que Et du coup il doit voilà, récupérer mon voilà écran, les droits. enfin ma capture, etc. Et le problème est faisant que moi en fait j'ai un PC FX et deux écrans. Tous les autres de la Spark vont très bien, Dark Mathieu. D'ailleurs, Alors les retrouve que sur leur stream solo. si c'est Val qui le fait, il n'a qu'un PC portable. Donc c'est très bien pour jouer et streamer, sauf que s'il doit récupérer ma cam, faire plein de choses et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour l'instant, on n'a pas les moyens de changer de point de vue. Mais à l'avenir, si c'est possible, bien sûr, on le fera avec plaisir. Bien Par contre, sûr. là, pour l'instant, tous les rossements seront dans ce sens-là. Je me concentre. Concentre-toi donc. Ok. Pas d'informations sur. Ah si, ok, t'as sorti l'aventure. Un tour. Écoute, une belle aventure commence. Oh, le dos de carte. Oui, le beau dos de carte. Ce magnifique dos de carte que vous avez été beaucoup à tenter sur Twitter. Merci à vous, du coup. My turn. C'est quoi la chaîne de Maybe? C'est Maybe HS, Rico ShootX. On l'a mis les liens en description de notre vidéo annonce sur YouTube, le lien de tous les acteurs de la Spark TV. C'est dur, hein, le chat. Oh, que c'est dur. Mais non, c'est pas dur. Tout est facile, Putain, toi, je sais tout est pas du tout ce que réalisable. tu joues. Tu veux pas fetcher là? Non. Allez là, voilà. Non. Allez! Non. Je peux même pas fetcher, ça me laisse pas l'opportunité là, t'es en train de résoudre ton spell. Ok. Bien belle bête.
Il était une fois. Le mec fait la sortie, quoi. Oh, Val, tu commences à râler, on est tour deux, là. On va pas s'en sortir ce soir. Non, j'avoue, je râle pour rigoler, c'est une boutade. Je vous voûte. Profitez de ma joie de vivre actuelle, parce que suivant comment ça se passe, j'aurai une mine déconfite, putain. D'ailleurs, chat contre renard, on verra qui est le meilleur. Moi, je suis persuadé que le chat reste le boss. Si ça se résume qu'à ça, Val, on saurait très vite qui serait le grand vainqueur de ce soir. Ah bah, le chat, sans hésiter. Un renard qui aboie, excuse-moi, c'est une erreur. Mais je... Oh, voilà. J'appelle ça le progrès, mais bon, t'appelles ça comme tu veux, voilà. Alors. Ah! Et déjà là, lui. T'as une petite idée de ce que je joue ou pas? Oui, oui, voilà, t'inquiète. Bon, ça va alors. Val, il rampe. Vachement moins que PL pour le coup. C'est fou quand même, j'ai joué une druidesse, tu viens de prendre deux landes, mais c'est moi qui rampe. Le chat qui n'est pas du tout orienté. Et deux petits points. Ah, pas de petits points, ok. Bah non. Alors, ce dos de carte a été offert par Wizard et il y en avait 10 à gagner par un concours Twitter. Il aboie pas, il glapit. Ah bah, je t'assure que ce renard-là, il aboie. Et c'est d'ailleurs bien un problème. Ok. Du coup, je recommence parce que j'ai été... J'ai été interrompu. J'ai dans eu un problème sur mon chemin, quoi. Je sais pas si je l'ai rappelé, mais je vais le redire au cas où. Tous ceux qui spoilent dans le chat, Pampo QQ, ne spoilez pas, s'il vous plaît. Surtout que c'est un spoil unilatéral, donc c'est vraiment très agréable. Oui. Une 3-3, alors ça, je m'en cague. C'est tendu, hein. Franchement, tour de trèfle dans géant, c'est dur. Hein. Into Giant. Bel accès à mana, quoi. Putain, c'est bien ça. Loi, un cri d'aigle. Ah bah, c'est une doigt d'or quand même. Elle est assez cossue quand même. Elle peut avoir un beau cri quelque part. Ok, c'est pas mal ça. Hein. Tu fais une divination là. C'est sympa. Comment on obtient Fabletop en avatar? Je crois que c'est un mail qui vous avait été envoyé par Magic Arena, il me semble. Hey yo, tais-toi, sale bête. Oh là là, la value, ça commence. Le mec, il est blindé, quoi. Allez, on va tempo un peu. Deckmaster fonctionne pas, mais j'ai lancé Cardboard Live qui doit normalement marcher, puisque maintenant on n'utilise plus Deckmaster, mais Cardboard Live. Si jamais ça ne marche pas, c'est bizarre. Si ça marche pas, c'est de votre faute. En tout cas, le logiciel me dit que ça marche, mais en ce moment, les logiciels, ils ont une tendance à me mentir. Cardboard marche, ok. Si jamais ça ne marche pas, faites un petit F5 pour voir. Si ça fonctionne, ça marche bien, ok. Bon, ça peut bugger un petit peu chez vous, quoi. Oula, mais tu m'en fais des choses. Et tu casses ça, ok. J'essaie de faire des choses, oui. Si ça marche pas, c'est Wizard, exactement, Azure. C'est toujours les autres, de toute façon. Ça marche, mais il manque juste les cartes en aventure, on me dit. Ah, mince. Après ça, c'est sûrement le logiciel et on peut rien y faire, quoi. Enfin, faut attendre qu'il corrige ça, je veux dire. Elles sont où les cartes d'Eldraine? Bah pas besoin, regardez. Eh ben, il est gros, lui. Hein. C'est le but. Il est pas mal gros.
J'ai un plan, les gars, vous inquiétez pas. Bon, le plan vient de break. C'est bien, Oko. Hein. C'est pas mal. Hein. On fait le taf, quoi. Ah, j'ai un peu grid, là, je pense. Avec le géant. T'as grid avec ton géant? Enfin, j'ai grid. J'ai pas non plus... J'ai pas trop la game, hein, mais... Le problème, c'est que je sais que tu joues des décèlements dessins et ça m'arrange pas, si tu veux. Ah, mais je l'aurais joué... Enfin... Allez, je sais Je bien. sais pas, Je mais... sais que tu l'aurais joué, mais tu peux le top decker. Après, là, je suis pas trop en mesure de tourner autour. Et voilà, on a les droits. Attends, tu t'es battu deux fois là? Ah oui, avec Tozimir. Ouais, et là, il y a Tolzimir. J'avais pas capté, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est pas mal quand même. Tu triches là avec ton truc là? Ah bon? Ça dégage la druidesse. Ouais, vas-y, elle dégage. La bandée quoi. Alors, si on attaque avec tout. Ah vas-y, je commit. Eh, ça fait des points de dégâts là. Je commit. En vrai, je suis bien là, non? Y a pas la carte de la grand-mère pour faire fermer sa gueule au loup. Je crois pas. Ouais, on peut lire le chat, mais comment on se concentre pour essayer de jouer de manière correcte? Du coup, forcément. Ok. C'est toi! Parler du blâme du fleuve là tous les coups. Ok. Et elle était bien ce mana blanc là. Ouais. Oh, c'était un troll. Alors, là, on peut prendre moins 4, moins 4. Et toi, tu boostes le géant et tu peux aller taper Oko. Mais tu peux pas tuer Nissa avec ce play-là. Par contre, je perds mon board et mes terrains. Ouais, c'est acceptable. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, il me manque un Planeswalker. Ouais, c'est vrai, il me manque un Baby Teff. Et un Sarkhan pour mettre 16. Ah, je voulais trickser mais ça marche pas. Ah, peut-être que je peux faire comme ça par contre. Tout pile. Ouais, du coup, tu peux tuer aucun des Planeswalkers. On va dire que dans cette tristesse, je suis content. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est bien, ouais, effectivement. Oh, en vrai, là, franchement, si tu fais ulti, tu tuenis ça. Ça a amélioré grandement tes draws, mais sur le tour, ça me mettait pas très mal, quoi. Ça te permettait de repartir, par contre. Ah bah je fais ulti, je tunis ça, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, mais en fait, vu que t'avais plus de land, ça te remettait bien. Mais c'était pas non plus. C'est pas en mode je fais ulti de Garouk, tu vois. Non, bah non, encore heureux quand même. En fait, si tu fais ulti Alors mais que tu attends. perds Nissa, tant que t'en retrouves pas une, ça va. La bête frappée d'amour, c'est une pierre. Là, actuellement, ouais. Putain, t'avais Krasis dans la main ou tu l'as trouvé au top deck? Non, je l'avais. Je l'ai depuis le début. Ok.
Fallait dire que tu avais pioché, ça m'aurait fait enrager, j'aurais joué mal. Non, non, je te dis simplement la vérité. Ah, 5-5, ça va. C'est juste histoire de me refaire quelques petites cartes dans la main, Non, non, quoi. le vote est clôturé, Tribordial. Donc là, en fait, je ne vais tirer au sort que les gens qui ont voté au début. Si vous quittez 5 minutes et que vous revenez, c'est bon. Par contre, c'est déjà arrivé la semaine dernière. Si vous n'êtes pas là au moment du tirage au sort, on fait gagner quelqu'un d'autre. Donc, à vos risques et périls. Oh, c'est compliqué cette histoire. Je réfléchis, hein. Désolé le chat, je prends mon time. Ça me permet de sacrifier quoi? Un autre permanent, donc je peux sacrifier un token food avec ma Vraska, on est d'accord? Non. Eh si. Je pense que non, moi. Mais essaye. Ouais. Félicitations, tu as réussi le test. Bien joué. Bien Et alors, joué, mauvaise Hervé. posture, ça dépend. On peut faire plein de choses avec ça. Les gens Et ont il se posé barre. ça. Il est encore là. Ouais, grand cromlech, ça devient compliqué là. On peut poser Le ça. cromlech, hein, je sais que vous détestez. Ok, on peut faire ça. C'est fini, oui. Oh, je te vois là, tripoter tous mes planeswalkers. Il va falloir que tu te calmes, Pierre-Louis. Hein. Je réfléchis. Tais-toi donc. Je sais que ça se prononce Cromlech, bien sûr, je sais, Trubchi. Ah, c'est dur. Oh, j'arrête, je pars. Décision trop dure à prendre. La pression sur le joueur français. Allez, je calcule les mecs, hein, je suis pas bien là. C'est pas frais. Mais en fait, je réfléchis à quel Planeswalker taper. C'est plutôt ça, ma question. Tape le mauvais. Après, en même temps, tu me mets dans une situation là. J'ai dû gérer un board et y a 3 Planeswalkers derrière, quoi. Comment fais-tu? C'est le meilleur deck, tout simplement. J'étais Vras à deux landes, c'est pas grave, quoi. Okay. Ça manque d'Elder Spell dans ton side d'ailleurs. Bah techniquement j'en ai pas besoin. Sauf que là je sais pas si vous pouvez admirer la quantité de terrain sur mon board. Sachant que je suis allé en chercher que deux. C'est quand même pas mal. Ok. Ah putain, mais ça lui enlève le vol, je suis un connard. Du coup, c'est pas si bien que ça. Elle a plus pitié de moi. Ouais, c'est pas si bien en fait. C'est bien sur bord de vide, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Ça, c'est un pro gamer move, ça. Bon, c'est une bêtise, tout simplement. Non, elles seront dispo après Stark Warrior sur le Discord. L'erreur! Gibra de pute. Incroyable. Ouais, j'ai fait une bêtise. Du coup, je vais sous-optimiser mes plays, malheureusement. Je crois que ça me fait du bien, ça, de voir un Oko mourir sans que je le touche. Suis malheureusement obligé de sous-optimiser. J'ai fait une bêtise.
Je sais pas si je préfère une 3-3 bloquant ou 2 PV en fait. Bah. Dans tous les cas, ça change pas grand chose à mon avis. Bien joué. En as-tu tant que ça? Ouais, je joue 4 couleurs, dont 12 landes qui me donnent de la forêt, plus 4 forêts de base, donc j'en ai 16. Et il en a. Après, il y en a quelques-unes qui étaient mortes déjà. Allez, je viens d'en prendre 12 là. Hein. Ah, il y en avait qu'une qui était morte, putain. Bon, on a quand même fait de la merde, tant pis pour nous. Enfin, de la merde, on a fait une bêtise, quoi. J'ai fait de la merde, j'ai une 8-8. Ouais, mais c'est une bêtise, c'est quand même une erreur malgré tout. Effectivement, en fait, c'était pas ce que tu voulais faire, surtout. Non, c'est pas ce que je voulais faire. En fait, je pensais garder le vol et pouvoir passer par-dessus. Mais je suis con. Je me suis trouvé tout seul. C'est dommage parce que je crois que j'avais la game sinon. Parce qu'en vrai, du coup, j'aurais. Parce qu'avec ce play-là, je te laisse tuer Manissa alors que. Si je prends en compte que mon play est nul avec Krasis, je donne Krasis dans ta 5-5. C'est là où est mon erreur. L'erreur! J'ai entendu, Noubès, ce que tu viens de dire. Je surveillerai, hein, que tu tiennes ta parole. Oh, Nubes qui a changé de clan. C'est fini, Nubes. Les petits duels en tête à tête en fin de stream. Terminé, ça. De toute façon, là, j'ai copié-collé toute la liste des gens. Je vais voir qui sont mes amis et qui ne le sont pas. Non, je vais voir surtout qui veut gagner une Sois boîte les opportunités. et qui aime jouer. Ok, bah ça, On c'était nous pas attend. obligé, hein, par contre. Si, si, si. Bah, Ah attends, non, quand c'était même, vraiment pas obligé. on va pas s'emmerder quand même. Des batailles de scellés, c'est dans les tuyaux. C'est possible. Enfin, de scellés, peut-être pas, mais des batailles de draft, c'est dans les tuyaux. En fait, ça devient 3-3, mais les marqueurs restent sur la créature Vash Temple. Ah, merci, c'est Gaïa, ça fait plaisir. C'est fou, hein, comme on avait à peu près le même nombre de cartes en main, mais je sens la. Pas la même puissance, tu vois. Tu sens la value s'en aller? En fait, chaque tour devient crucial pour moi. Chaque draw est une goutte Oh là de là, sueur. putain, mais c'est fou quoi, tu trouves tout quoi. Est-ce que c'est pas parce que le paquet a tout? Posez-vous les bonnes questions. Ah, je sais pas. Comptons mes landes que je ne suis pas allé chercher avec Nissa. 8, 9, 10, 11. Allez, on a bientôt la moitié des landes. Ouais C'est mec, en 2. j'ai géré une bonne partie. Enfin, j'ai géré le grand cromlech quand même. Ça pouvait te donner de bonnes choses. Ça pouvait donner de bonnes choses. Tu sais quand ça fait piocher le grand cromlech? Quand on joue des bêtes. Comment? De quoi? Ouais, quand on joue des bêtes, effectivement. Mais t'en as pioché, hein. Rah, en plus, je me suis tiré une balle dans le pied. Je suis vraiment un connard, quoi. Quand même. J'en ai pioché. Alors je sais pas comment tu le sais, parce que j'ai joué grand cromlech et ma bête de l'aventure. Et ensuite tu la transformes en 3-3. Oui, mais t'as joué ta bête dessus. J'ai joué une, ouais. C'est sûr, mais je l'avais déjà, quoi. Ok. J'ai mal écrit Val pour la boîte de boosters, zut. Oh, c'est la première game, les mecs. C'est un BO3, et après, il y a encore un BO3. Oui, Voir un autre oula, BO3. on Voir n'est un pas autre rendu. BO3. Vous vous rendez On compte? n'est pas rendu du tout, hein. Et je reste pour vous, les gars. Pour tous ceux qui ont voté pour moi, je vais le faire. Cette fois-ci, c'est la vôtre. Et tous ceux qui vont se dire, eh merde, j'ai voté PL tous les soirs, j'ai perdu, et là, je vote Val, et je l'ai pas à la boîte. Et soyez quoi, j'offre une boîte à tous ceux qui ont voté pour moi. C'est pas vrai. Je ne Attention possède quand même. pas 100 000 euros. Désolé. Je n'ai plus Problème, d'eau, c'est mon que t'as une Dieu. ligne de bloc sympa, mais. Salut les audiences. Parce que l'avantage d'une 5-5 qui attaque pas, c'est qu'elle bloque. Bah ouais, bien sûr.
Ah, moi, je veux que ça crève, ça, tout ça. Merci. Ah bah de rien. Ah, tout ce qui est pur, je prends. C'est vrai qu'en vrai, ça est pur. C'est bien, elle a plus piétinement, mon hydre. Elle est bien, hein? C'est bien joué, Elle ça. fait un bruit de prout. Eh ben voilà, les gars, il fallait juste attendre un petit peu. Allez. Ok. Donc t'as gardé un peu de gaz dans la main? Bah Ouais, en je pense. fait, j'avais du gaz, mais regarde ça. Imagine ça quand t'as pas d'aventure. Ouais, du coup, là, tu peux cavalière 3 permanents. Exactement, voilà. Alors on va cibler ça déjà. Oui. On va cibler ça. Et là, c'est quoi le plus chiant? C'est un Tolzimir ou une Krasis? Je pourrais cibler le Land. Alors pourquoi, par contre, Vraska est encore vivante? Est-ce que c'est parce que Là, tu es ciblé. les... Je l'ai Là, ton ciblé. deuxième trigger est peut-être en pile, je sais pas. Parce que, genre, j'en ai mis deux en pile, il y en a un qui a été utilisé. Bon, je vais tuer quand même Krasis. Ok. Je peux cibler le land, mais il est indestructible, donc je vais éviter de faire ça. Tu peux, hein. Ah, ok, c'est l'original qui avait ciblé qui n'a pas été résolu. Très bien. Ok, putain, tu survis tout juste, hein. Mais c'est bon, c'est passé. Après, t'as des bêtes lifelink, donc ça va. Je vais essayer, voilà. Exactement, hein, Sigel Sag. Une bonne carte pour trouver du gaz. Ouh là là, ça c'est pas bon ça. Ah, Ouais, ça va. mais... On n'a pas trouvé le gaz. Je sais plus quel deck j'ai rencontré qui arrivait à booster Wador. Ah bah je vois des Vivienne. C'était mono vert, mais je pense que si tu peux mettre Vivienne dans un Simic ou un Golgari pour booster tes Wador, c'est très très important. Ah, très très intéressant, pardon. Parce que du coup, ça devient des bêtes à beatdown volantes. Avec des bons body. Je pense que vraiment c'est intéressant. Ouais. Après Non là, mais j'ai pas mec, la je lâche place. rien. Je lâche rien les mecs. J'ai pas, en vrai, j'ai pas des très bonnes attaques là. Ça m'a très mauvais. C'est même plutôt mauvais. En vrai, mes lentes sont indestructibles, mais pas Tolzimir, donc... Ok. Ah Passons. je prends les blocs sur l'eau moi. Sur l'eau. Sur le land. Fais-lui mal. J'adore le chat. Pour vous, c'est un combat de boxe, de toute façon. Hein. Vous en foutez de ce qu'on ressent, quoi. Avec des Vous animaux, y avez bon. pensé? Évidemment que non. Putain, pourquoi j'ai rendu mon nid 8-8? Je suis un connard! C'est fou ça! Bon, en vrai, c'est pas très grave, mais quand même. Je crois que ça me rassure de faire ça. Je sais C'est pas vrai, si c'est c'est... rassurant. Je sais pas si c'est un play aussi. Une 3-3 indestructible, vigilance, c'est chiant. Et tu te dis, bon, Ouais, je vais ça a l'air l'oublier, au bout beau. d'un moment, ça va me faire perdre. Bon, si t'as plus rien à jouer, tu pourrais rendre la main, s'il te plaît? Ah, je réfléchis, jeune. C'est qui a 3 PEV? Celui qui a 3 C'est PEV, il qui? réfléchit plus que celui à 29, hein. C'est qui? T'as pas vigilance, cette merde, quand même. Non, ça va. Ah, J'ai eu c'est un dur. doute, l'espace d'un instant. Parce qu'attaquer avec full créa était pas worth Neibaf, au vu de ses blocs. Il aurait gagné 5 PV, trade mon Tolzimir. J'aurais passé 3, il aurait été à 5. En gros, j'avais une bête de moins et on avait à peu près le même board, je pense. Enfin, si, il perdait une cavalière, quoi. C'était pas méga worse, en vrai. Merci Tatianiel pour le cheers. Allez. Ah putain, faut que je trouve un payoff quoi. C'est marrant, je me disais la même chose.
Putain, pourquoi j'ai pas des îles et des hydres là-dedans? Oh, pour rien. Ok, ouais, c'est la première game celle-là. Putain, c'est vrai que la soirée va être longue, hein. On a tout le temps, les mecs. Le tirage au sort est à la fin. Ouh, on respire un petit peu là, on s'aère le slip parce que ça commence à sentir le caca. On en fait plein des 1-1. Tu vas en faire 3. Pour 1, faire 3 créer 1-1. C'est OP ça? Ouais, C'est c'est genre bien. moderne ou pas? C'est rentable. C'est plutôt worse. En vrai, j'ai l'impression de jouer un deck de moderne. Pas du tout. Là, t'es un peu Quand même rosace, pas. Val, je sais pas pourquoi. C'est du moderne fatigué quand même. Tu as la meule, je Fatigué. peux? Oh, je peux? Enfin, je peux. En fait, le problème, c'est qu'avant qu'il arrive à la meule, je sais ce qu'il peut piocher. Voilà, genre ça. Et c'est dur, quoi. Voilà, ça, c'est dur, ça, par exemple. Ne me susurre pas des chiffres comme ça. 4, si, si, je suis sûr. Attends, quand même. Laissez-moi susurrer, quoi. Trollski qui dit putain mais il tape deck tout le temps aussi. Ah, bah attends, c'est pas vrai, hein. Un vrai match moderne finit T2. Effectivement là c'est du moderne mais qui se finit au land 1-1 qui s'active comme ça. Du moderne gentil, quoi. Crois plus que 13 cartes les mecs hein. Il sait pas que j'ai 4 chiocs. Ah là là, ça c'est dur. Ça c'est dur. Ok. T'as pas un petit parangon qui traîne? Je crois pas que ni PL ni moi est un parangon qui traîne. Ah ouais. On est sur une attaque de type solide. La 10-10, c'est honteux. Ok. Ok. C'est dur, hein. Ouais. J'avais un land en main Alors, encore. franchement, c'était une belle game, hein. C'était Ouais. une belle game et j'ai failli te la donner bêtement, donc c'est cool. Passons au petit side. Allez, le petit side, c'est parti. Ça peut être sympa, ça. Très important, c'est très important aussi. J'ai l'impression que tout ce que je joue est assez important contre toi, c'est dingue. C'est fou ça. Ouais, c'est fou. Enfin, moi je trouve ça fou après. Dites dans le chat si c'est fou. On dira non, Val, on s'en cague. Rien de fou.
Ok. Je réfléchis à Va le ma voir le dernière chat, pierre. ouais. Donc ne spoilez pas. Ouais, je vois le chat, hein, bien sûr. Non, non, il n'y a pas que Pelle qui voit le chat. Je suis également en live. Oh, c'est pour ça, démon blanc, c'est parce que j'ai pas mis un C'est fou là. difficile de sider en début de méta comme ça. Ça dépend. Val, tu oublies tes supporters. Alors, pas du tout, je ne vous oublie pas. Merci à tous ceux qui continuent à me soutenir. Ça me fait plaisir. Val, on t'aime, mais c'est honteux. C'est vrai, vous avez raison, c'est honteux. Je devrais même avoir honte de toute façon, puisque c'est honteux. Je suis pas sûr de ce que je fais, mais C'est je le fais compliqué, quoi. Nyomir. T'as gardé ta main à 7? C'est bien ça. J'ai fait ça, ouais. Ok. Allez, Bélé. Écoutez, Bélé, je suis le chef de cet hôpital. Voilà, c'était la seule ligne de texte du chef de l'hôpital dans Grey's Anatomy. Je vois très bien de qui tu parles. Non, mais le chat rigole, bien sûr que ce n'est pas honteux, Quentin Clos. C'est honteux! C'est honteux. Petit cheval de manège. Le petit cheval de manège. Oui, énervé ton cheval. Et il fait du mana. Ça va, toi, il était une fois, sur il était une fois, sur mon cul une fois. Sur Land, sur Land, sur Yeti une fois. Ouais. Ah, les landes, c'est bien. Tu sais qu'avec des landes, tu peux jouer des cartes. Ah, ça devient relou par contre. Ok. Questing Beast. C'est vrai que je joue quelques Planeswalkers quand même. Après, j'ai pas mal de bloquants. Je sais pas si c'est très worse contre moi ça. Je sais pas. En fait, tant que tes bloquants ne sont pas aussi forts que la Questing Beast. Je considère que c'est bien parce que ça veut dire que tu vas m'en donner deux. Enfin, dans tous les cas, c'est bien. C'est bien, tu trouves? Si c'est bien, c'est bien. Il y avait un bibelot là. Il y Allez, avait un PL, bibelot. allez, allez. Merci le chat. J'avais dit à gauche, pignon. Quoi qui gère ça? Ah oui, ça fait du mal à noir à Druidess. Effectivement. Bon, de toute façon, il fallait poser, je pense. Je peux pas trop slow roll une bête de quête que. Bon, enfin, quand tu sais que je l'ai en main. Non, bah non, non, t'étais obligé de la poser. De toute façon, j'ai joué en fonction, hein. J'ai pas posé ma Vraska pour pouvoir t'attendre en fait. C'était le play, quoi. This is a play. C'est moi le méchant du manga, Démon Blanc? Et pourtant, moi j'adore les héros, quoi. Ah, pas Est-ce de que deux traces. héros ne peuvent pas s'affronter? Comment ça, je suis pas beau jeu? Non, mais ah, franchement, c'est fou, quoi. Je trouve ça dingue. Je joue quatre couleurs midrange et quatre couleurs aventure, et je suis pas beau jeu. Je trouve ça dingue. Je joue quand même quatre couleurs aventure giant. Vous savez ce que c'est? Ben non, c'est pas possible. Personne ne fait ça. Est-ce pas grave, je continuerai à me battre et à laver mon honneur. Essaye. J'essaierai. En fait, moi je suis Sacha dans Pokémon. C'est-à-dire, on pense que c'est un bon dresseur, mais en fait il perd toutes les ligues de Johto. Enfin, toutes les ligues. Par contre, il va à chaque fois à la ligue. Hein. Genre, il a un niveau. Mais il a jamais gagné. Si, je crois qu'il a gagné une ligue. C'est dur, hein, tout ça. Ah, c'est le tempo play, ça, hein.
On est sur de la temporisation, quoi. Ah bah aussi, si tu l'as tout le temps, le tavernier. Notre Gérard Depardieu préféré. Je l'aurais pas lancé comme ça. Puis ça... ça m'emmerde. T'as bien raison. T'as raison, c'est de la merde, comme on dit. Il en a gagné deux, autant pour moi. Il me semblait qu'il en avait gagné qu'une. Mais bon, il en a fait combien pour en gagner que deux? Mais c'est bien que genre un manga, enfin un animé aussi basique entre guillemets que Pokémon. J'adore Pokémon, mais bon, c'est vrai que l'animé, on le regarde pas, on le regarde pas. C'est bien que le héros ne gagne pas forcément la fin. C'est genre, c'est pas le seul message. Le message, c'est acheter, acheter les jeux Pokémon. Ok, on est bien là, on s'est setup. On sait c'est top. Le petit land, ça te fait combien? 2, 4, 6, 7 lands? Ok, ouais. Tu peux géant, tu peux giant. C'est fou quoi, je t'en parle aujourd'hui, je dis j'espère que ça va pas arriver et ça arrive quoi. Peut-être résultat orienté hein, mais. Après, j'ai quand même l'impression de m'être battu, quoi. J'ai géré bête de quête et de tavernier. Je sais pas à quel point tu. Peut-être tu pioches quand même un peu de land, c'est vrai. C'est vrai. En fait, tous les temples, j'ai scry un land. Ah non, 3 temples sur 4, j'ai scry un land. J'ai trouvé des lands sur Peut-être que un les petit gens peu qui toi descendent à aussi. 23 et 22 land, grâce à Il était une fois, ont Peut-être. raison. Mais moi, j'ai joué 4 Il était une fois et 24 land et j'ai toujours été satisfait, quoi. Je sais pas. Franchement, j'ai pas la réponse. Après, ta bête est grosse quand même, hein. Le géant de tige là. Ouais, bon, elle va s'asseoir patiemment, je pense, en attendant Oko et une 3-3 ou un moyen de gestion. Ça dépend à quel point tu fais des plays, des power plays par tour. Ouais. Ah, écoute, je vais essayer d'en faire le plus possible si tu le permets. PL, pourquoi pas le Yarok? Alors, dans ce deck, j'ai pas beaucoup de TB, je crois. Et. Parce que ça ne trigger, ça ne double pas les aventures, Yarok. Et parce que je ne joue pas bleu. Après, tu peux jouer plein de couleurs. Oui, mais là, le parti pris, Mais c'était non, pas c'est pas bien, Yarok, t'as de raison. En plusieurs. fait, c'est les aventures qui font les effets, c'est pas les effets d'arrivée en jeu. C'est pas possible, quoi, en fait. Eh ben, pas d'attaque, écoute, hein. Ouais, c'est normal, hein. Bon, Bah, allez. les bêtes sont grosses, quoi. On filtre un peu plus. Putain, si tu voulais en profiter pour tuer mon géant, il était 8-8. Les bêtes sont puissantes. Ah, mais j'avais pas moins 8, moins 8 dans la main. Ah, bah, une bonne bête, ça. Ça, c'est bien. C'est une belle bête, hein, comme on l'appelle. Enfin, moi je l'appelle comme ça. Piétine pas cette merde. Non, ça va. J'ai eu peur l'espace d'un Alors en vrai, instant. ça pourrait, hein. Oh oui, ça pourrait. Ça serait pas du luxe même, tu me dirais. Mais Ouais. je suis très heureux que ça le fasse pas. Je me sentirais pas volé qu'un géant piétine. Genre un géant, franchement. Ah, c'est vrai, c'est géant, hein, donc il pourrait, hein. Ok, on fait le ménage dans les rangs adverses. C'est une très bonne nouvelle. C'est que le premier BO, hein, je le rappelle, pour ceux qui ont voté pour moi et qui sont en train de se dire oh, merde, j'aurai jamais ma boîte troll au field raid. Ouais, vous l'aurez peut-être jamais, hein, mais attention, c'est pas fini. Ok. Ça, c'est un losing play, voilà. C'est fort probable. Je l'accepte. Tu te rends compte que je vais pouvoir aller chercher un land et mettre une 10-10? Oui, je Hein, me c'est de rends la compte merde de en la chose. fait. Zerkrasis.
Ah bah la bonne Krasis, hein. C'est la collègue. Non, okay. C'est trop tard, Darklick. C'est fini, oui. Oh là là là. Et je peux pas attaquer ton ta bête frappée d'amour est trop grosse. Une grosse bête. Regarde, je une, la, une je, encore plus grosse bête. Je vais lui mettre un marqueur, va le regarde. C'est pas mal, hein. Ah pour ça c'est trop tard, ouais, Noxa Eternal. Ah j'adore Shengbir, c'est ma passion. Non mais en plus j'ai dit à Val, genre je kiffe jouer là, mais le nombre de fois où j'ai fait des mana flood dans le peu de games que j'ai fait, c'était abusé. Mais en BO3, genre je perdais des BO parce que genre je fais deux games disputés, un mana flood ou alors deux mana flood, une win. Et bah là on y est encore quoi, malheureusement. Bonne soirée, DC Ketsuke, et félicitations. C'est que le premier BO. Les gars. Bon. Est-ce que c'est le land de trop ou pas? Bah non, mais en fait, c'est tous les lands de trop, trop tôt, en fait. Ouais, non, Là, c'est sûr, c'est sûr. Là, j'ai aucune carte qui me sauvait. Décèlement Non. des saints, ne vrassez pas. Enfin, ne tuez pas Tekrasis. J'ai un play pour survivre, mais non, même pas avec Nissa, tu vois, je peux faire ça. Et là, ça me fait gagner un point de vie, tu vois. Bah tu peux emprise Mécrasis aussi, mais Non, ça mais de toute suffit façon, pas, je... si je tue Tekrasis avec Nissa, t'as trop de créatures, Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. tu me tues. T'es sûr. GG, bah Val l'emporte pardon sur ce premier BO. Et on va maintenant Yes. passer au deuxième DO avec chacun de nos deux autres decks, du coup. Oh, et je gagne 3 boosters entre le Feldrain. Ah oui, moi aussi, là, ils viennent de finir la mission. Oh, j'ai eu Symétrie Sournoise en foil, tu sais, la carte qui fait Ah, j'ai pas eu ce que j'ai, moi. tuto symétrique. Nice, j'aurais bien aimé l'avoir. Alors, Non, attends. j'ai pas essayé Papyrossa. Ouais. Bah, je l'ai considéré que très récemment, en fait, cette carte-là. Et j'ai en fait, c'était là, on était en train de pardonner de setup le stream, du coup, j'ai pas modifié ma decklist. Ok, c'est parti du coup. La deuxième game, ça sera 4 couleurs Adventure Giant contre Simic Food. Oh merde. On est d'accord. Ça va pas sélectionner le deck. C'est bon. T'avais C'est bon pour balancé. moi. Allez, let's go, bon courage. C'est bizarre. Il y a eu un lag. Allez, c'est parti. Enfin, elle se qualifie pour la finale. Mais tu gagnes des fois PL, Mais me dit du coup, j'ai Nyomir. le droit à Non. l'erreur là. Non, je ne gagne jamais, à vrai dire. Mais même en ladder, hein, je ne gagne que peu. Hein. Donc je me dis, est-ce que mon Ça niveau est arrivera. La piètre? roue tourne. Ribéry l'a dit, hein. La rotonde va tourner. Ouais. Il l'a dit. Ouais. Waouh, wow. Quelle main. Je suis impressionné par ma J'avais main. une très belle main aussi. Hein. Ouais, Ils m'ont elle dit est tellement quoi belle qu'on l'a mouliglanée, quoi. T'avais pas assez de land? Tiens, prends-en Tiens, plus. prends-en. Joli land, hein. C'était beau. Hein. Ah, 5 sur 7. Le beau score. Ouais, j'avais 5 sur 7 aussi, j'ai relancé pour la même raison. Bah, j'avais mes couleurs, tu vois, donc je me suis dit, est-ce qu'il faut pas garder quelque part? C'est vrai que toi, t'as besoin de plus de couleurs. Ah, j'ai quand même pas gardé. Je me dis, bon, ce que tu peux faire en face, c'est quand même assez fort. Je vais essayer, mais bon. Je te promets rien. Là, on joue le même truc qu'avant, sauf que tous les deux, on a des decks moins forts que l'adversaire. Mais c'est le même match-up qu'on vient de faire quasiment. Ah, il y a quand même beaucoup de couleurs qui changent. En vrai, le 4 couleurs midrange, ça joue pas comme food. Hein. À Eh, la je limite, comprends, il a Adventure, mob. ça peut se ressembler un peu plus. Ouais. Ok. Excuse-moi, mon choix était pas évident. Elle se tentait la main Barkuchan, sauf que si mon. Il était une fois, me trouve un land, c'est une main à 6 land, donc c'est dégueulasse. Enfin, c'était une main à 6 land. Allez, let's go. On commence par un play, ça fait plaisir, ça. Ouais, druides.
Ouais, j'aime bien les Arthos, mais en standard, souvent, ils sont un peu nazes, histoire de justement pas faire des decks Arthos pété. Ouais, ça fait souvent prout, hein, malheureusement. Enfin, il y J'ai a dit à Mathnasse qui l'APL. arrive à faire des trucs de fou en fin de méta, mais quand c'est attendu, c'est pas très fort. Peut-être que là, il y a un truc bien à faire avec Emery, avec le chaudron et tout, mais en vrai, pour l'instant, je pense que personne n'a trouvé la decklist incroyable. Après, quelque part, si tu joues Esper Stax, est-ce que c'est pas un peu une version Arthos? De très très loin, hein, bien sûr, mais. Je me dis, why not, tu vois. Ok, donc ça fait quoi ça? Quand ça arrive en jeu, tu crées un food. Et à chaque fois que tu sacrifies un food, tu peux payer un pour regarder les deux cartes du dessus et prendre un permanent? Oui. Ok. Ça pond des foods à tire-larigot quand même. De toute façon, je tire sur l'arigot. Tu tires sur le haricot, t'as bien raison. Faut pas tirer sur la corde. Hein. J'ai Attention. failli hein, venir avec un deck meule, clé de 13, mais. Je me suis dit, nah, il est pas prêt pour ça. Je vais encore me faire saucer, les gens qui auraient voté pour moi vont dire, bon, PL, arrête un peu de faire de la merde. Et j'essaye, hein, mais. Mais en vrai, là, je voulais vraiment tryhard. Et comme j'ai pas pu tester tous les decks que je voulais tester, et que. Enfin, surtout les decks que j'ai testés en plus ne m'ont pas satisfait, à part Aventure, le choix était restreint. 1, 2, 3, 4. Okay. Bonne carte. Une bien bonne carte, ce méchant loup. Hein. On l'aime bien. Ah, c'est un bon loulou ça. On l'aime bien au village, comme on dit. Bon loulou. Un beau loulou. Ça marche, Jacessar, quand je lirai ce que tu m'as envoyé certainement sur le Discord. On va aller chercher des petits terrains. Hein. Ça mange pas de pain, ça fait pas de mal. Avec un pas fertile. Aller chercher ça. Je l'ai joué en live et je l'ai mis sur le Discord Joe plein de chiffres. J'essaye The Doof, mais bon, je m'en demande Ok, beaucoup go. là. Ça casse pas de briques. Et pour l'instant, c'est vrai que ce match-up est pas folichon, mais on va essayer de rendre ça un peu plus attractif là, avec des plays bien solides. Vas-y, trouve un truc solide sur Il était une fois. Ça Vous trouvez doit. pas qu'on se trouve en main? Franchement, avec le deck que j'ai joué avant là, non, je trouve pas. Ça dépend les decks que tu joues. Ça arrive vite ce gros bousin là. Il suffira d'un malin. Il suffira d'un mana, ouais. Mais c'est à ce moment-là où tu les piocheras pas, tu sais comment ça marche. Tu te doutes bien que ça serait trop facile sinon. Manque un mana blanc là, non, Val. J'ai pas beaucoup de choix. Hein. Alors, sombre lance, Val est actuellement à 1 BO à 0 et on vient d'entamer le deuxième. Tu l'as joué en créature. Bah, c'est bien. Et je peux pas le jouer autrement, malheureusement. Il était pas dans ma papate. C'est pas mal ça. Ça te permet de. Permanent, ça comprend un terrain. Donc tu vas avoir de grandes chances de trouver ton terrain, quoi. Non, ça marche pas? Non, mais parce que je le pioche après, Val. Ah voilà, parce que tu trouves pas le terrain. Ok, ouais, tu l'as pioché après. Mais en fait, j'avais pas besoin. J'étais tricksé parce que je peux faire ça. D'accord, ah oui, j'avais pas vu que tu jouais ça, ok. Excuse-moi, je regarde pas ce que tu fais parce que c'est de la merde. Je Non, traduis pas hein, du pour tout, ceux qui. j'ai juste pas vu ce terrain, quoi. C'est pas des archétypes que j'ai joués, j'ai encore jamais joué les versions food et les versions château de Garambring. Ouais, je sais, crabe, mais je voulais gagner 3 points de vie. C'est pour ça que j'ai pas sacrifié sur le loup. Enfin, tant qu'à faire, je préférais. Alors, en vrai, je peux faire ça, là. Je peux faire ça et sacrifier un max de tokens. Allez, vas-y, mets-en encore un.
C'est important. Ah bah j'en ai mis un, j'en mets deux. Oui, alors maintenant, t'as plus le choix, quoi. Une petite Voir, fin de tu te dis, tour. bon, c'était un bluff qui est pas passé, j'en mets qu'un pour pas perdre ma bête, quoi. Alors, tu Ça continues peut, à hein. bloquer ou pas? Bah oui. Ah merde. J'avais pas prévu ça. Attention, je vais mettre mes lunettes sinon. Quelle sale histoire, quand même. Quelle sale histoire, mon Dieu. Sacrifier un max de tokens en bas de chez toi. Tiens. Pour vider un plat en bouffe. Tiens. Ah, le mieux Tiens, c'est qu'il sur le droit s'appelle chemin. revient donc. Bah, ça reviendra, écoute. Mais il va revenir comme Jaja quoi. Il va revenir plus fort. C'est ça l'histoire. Mais t'as bien raison. PL, il sacrifie des choses. Ok, c'est tout pourri ça. Comme disait un joueur Me pro sors un coup de français. camp. Ça t'a fait un peu vivre sur la game d'avant-avant. Ah mais je parlais pas de la carte en général, je parle de tout de suite là. À ce play-là, oui, c'est pas, ça fait pas rêver. Effectivement, on n'est pas sur un play de puissance, quoi. Du coup, on va Ah faire bah, du ça. coup, sauce, hein. Il est 5-5 le bousin. Ouais. Je peux se péter un token, il n'y a aucun problème. Mais aucun. Tiens, je te donne ma cavalière. Avec plaisir, prends-la. Tu dois la manger? Bah regarde, hop Prends-la, là. vas-y, prends-la et pars. Pars très loin Et comme ça, étouffe-toi tiens. avec. C'est mou comme gameplay, Simic Food, quand même, hein. Non, ça va. Ouais. Bon, ça va alors. Si ça va, ça va. Et là, vous allez me dire, mais PL. Et je vais dire oui. Et à la fin de la conversation. Il est pas là, ce mana blanc. Hein. Ah, ça, c'est une belle bête, ça. Ah, c'est une grosse bête, ouais. C'est au-dessus du troll, donc on va dire que c'est acceptable. Mais l'avantage d'avoir 5 food, c'est que j'ai C'est que un méchant ton loup méchant très loup est 10 méchant. 10, ouais. Ça, c'est pas un problème, ça. Attention quand même, voilà. Non, je t'assure que rien n'est un problème. Ah, j'avoue, t'es un peu un démon qui sacrifie à tout va. Hein. C'est caféinomane repenti qui vient de dire ça. Ça Il a va. bien raison. Mais... Ah, il a raison quelque part, mec. Le Franchement, chat t'as dit, aucun mais respect pour PL. tes cartes. Et là, je Toi, sacrifie t'es le 5 mec, tu tokens, joues t'es tes mort. cartes, tes jetons, tu les déchires, tu sais. La Val, ça m'intéresse pas. Voilà. Que tu le saches. Alors, ça fait quoi? Ça, c'est fort, il paraît. Hein. À skip. Quand c'est accompagné de Krasis, c'est meilleur, quand même. Oh, je peux pas attaquer, pourquoi? PL le démoniste. La naissance de la fin du grand amitié. Oh, mes passages merveilleux avec les touches terre qu'on va avoir à Zendikar, ça va être trop bien. Est-ce qu'on va avoir des touches terre à Zendikar? Oh, ils en ont tout le temps mis, et surtout qu'il n'y a pas l'Eldrazi. Donc s'il n'y a pas l'Eldrazi, qu'est-ce qu'il y a à Zendikar? Ouais, j'avoue. Ils sont obligés, quoi. Et on fait un liste. Ah merde. Bon bah mettez les trucs avec les landes là. Mes géants vont tenir un peu, hein. Mais pas plus, quoi. Pas plus qu'un peu. Attaque un peu Val. Non. Et là tu te dis Non, bon non. franchement ça pourrait piétiner, ce serait pas déconnant. J'ai un pool de PV pas assez conséquent. Au pire, je perds celle-là et il faut que je gagne le dernier BO. C'est ça le fin mot de l'histoire en fait. Ouais, J'ai un autre plan de jeu. t'as pris un deck pour rigoler et puis t'as un vrai deck Et quoi. je rigole pas des masses là. Mais c'est bien ça. Alors, on peut poser ça déjà. C'est fou, mais le troll festoyant Mankag, c'est le méchant loup qui m'emmerde. C'est dingue, hein? Ouais. Le troll, il est juste là pour donner à bouffer au loup. C'est ce que je t'ai Ouais, dit. c'est ça. C'est ça. Déjà, ça, c'est une 3-3. Ah, c'est pas sympa quand même. Et il est d'un coup devenu beaucoup moins intéressant. Mince. Non, c'est bon. Oh, passe ta phase d'attaque, pas de problème. Tiens. Tu me donnes la bouffée des Je te géants. donne des Tiens, lots. mange ce géant là, c'est de la merde. C'est exactement ça depuis tout à l'heure. Mec, j'ai aucun moyen de gérer ce loup en fait. Oui, non, j'avais bien mis Je suis skip, ok. juste esclave de mes draws et je trouve pas les bonnes draws quoi. Je trouve pas les marlines. C'est dur. Hein.
En vrai, je suis bien là. Écoute, gros, j'en ai plein le huc. Regarde, ça fait coup sur coup que je top deck ce con là. Mais va chercher ton land blanc, enfin, bon dieu. J'en ai vraiment marre, quoi, de top decker cette daube. T'as combien de plaines? J'en ai qu'une, mais j'ai d'autres terrains qui mettent du blanc, mais. Ah, t'as pas de géant dans la main, ok, je pensais. Ok. Ah, tu sais ce que je vais faire moi avec mon Oko? Je vais faire plus. Bah ouais, tu vas le transformer en 3-3, je suis bien conscient et je vais te le donner à bouffer. On est un peu dans une boucle temporelle, tu connais Geoff Tomorrow ou pas? Ouais. Bah j'ai pas vu, mais j'ai lu le manga dont il est tiré, ah, donc voilà, c'est un bah, peu pareil. C'est mieux de toute façon, t'as bien fait. Bah en gros, tu vois le mec qui ressemble à Tom Cruise dans le film? Ouais. Genre Tom Cruise en genre fait? Tom Cruise, ouais. Bah c'est moi. Ok, et donc tu répètes sans arrêt les mêmes erreurs. C'est ça? Oui. Enfin, la même erreur, la même draw en fait, je fais ce que je peux quoi. Enfin, tu répètes ta journée jusqu'à y arriver. Voilà, c'est ça. Et petit teasing, j'y arrive pas. Spoiler alerte, ça foire. Ça marche pas. Ah, tu sais quoi, vas-y, je te donne mon board et selon ma draw, je concède. Voilà, ouais. Merci Teddy, conseil de concéder. Un conseil que je vais suivre de ce pas. Ouais. Ouais, je crois que c'est bien ce que tu dis là. Fais ça. Et bien GG. Je pouvais mettre un 1 Death Touch, ça t'aurait dissuadé ou pas? Non. Ça m'aurait dissuadé tour 2 ou 3, mais. Mais là, ça me dissuade beaucoup moins. Alors, venez là. Comment on side contre. Mal. Side de mal. Contre Jean-Jacques, j'existe pas. Si tu j'ai gagné une manche, mal, les gars. Faut vraiment pas hésiter. Tu joues quoi déjà? De la merde. Il me semblait. Ouais, c'est pas très bien ce que je joue. Je trouve que c'est pas très bien ça. Ça c'est bien. Oh, j'ai un deck, il est insideable à cause de mes 4 couleurs. Non, ça va. En fait, je réfléchis à toutes les cartes et je me dis, ouais, c'est bien aussi. Non, pas le tout ça. Le side insideable, c'est horrible. Les trèfles. Ouais, ouais, j'enlève les trèfles. Pas du tout. Dès qu'il n'y a plus de Krasis, va les perdre. Il fait putain, mais comment on pioche dans ce jeu? Mais en vrai, c'est vrai. Hein. Tu sais que maintenant, je joue un paquet midrange sans bleu. Et ma réflexion primaire, c'est en mode. Bah, pourquoi pas jouer de bleu en fait? Mais ça, c'est pas de ma faute, hein. C'est juste Magic quoi. Je vais pas m'empêcher de jouer des bonnes cartes après. Enfin, bon, là, je suis parti en 4 couleurs aventure. Je peux vous dire que c'est une belle aventure quand même. En fait, j'ai une strat. J'ai enlevé tout ce qui est pas géant. Comme ça, je prends pas Vras. Merde, j'ai plus rien. Ouais, c'est vrai qu'avec mon sel, si jamais je perds cette game, je vais pouvoir saler tous tes token food. C'est pas mal, hein? Ah, c'est bien ça. Val sans hydre, c'est rare. Vous êtes d'une mauvaise foi, j'en suis bouche bée, quoi. Genre, ma bouche est bée. Peut-être ça, c'est pas ouf, en fait. Merci, Gélosios. Ou ça, c'est peut-être pas ouf. Si okay. T'es un ancien, t'as connu Val qui jouait un pack sans Krasis. Je tente. Et écoute, c'est arrivé, hein. On a joué Winnie White à la grande époque. Ouais, il n'y avait pas Krasis, donc. Si, si, quand j'ai joué Winnie White, il y avait Krasis. Si, si, si. Val qui s'est fait tatouer une Krasis dans le bas du dos. Non, sur le bas ventre, il s'est fait tatouer une Krasis. Eh ben, voilà. Mulligan, parce que zéro land, donc pas le choix. Et là, le chat qui se dit ah si, je vais peut-être avoir une boîte. Calmez-vous le chat, hein, vous l'aurez pas. Restez tranquille. Cette boîte est imaginaire, elle se trouve dans votre esprit. Et vous êtes toujours 900, vous êtes dingue, merci énormément. Quoi qu'il advienne, quelqu'un aura une boîte ce soir, et ça c'est déjà merveilleux. Après, si on fait égalité, on garde la boîte, les gars, hein, je vous le dis. On fait draw. Ah bah allez, on va, là, c'est marrant ça. Putain, c'est dommage, j'aurais vraiment voulu la donner cette boîte. Oh, tour 1 Wador, tour 2 Opco et je concède. L'as-tu ou l'as-tu pas?
Un lège ou il ne lège pas? Bah, je pense que tu lèges, hein. Si tu le montes un mec en 7 direct, ah, franchement ça va. Tu fais quoi? Ah tu joues en 1-2, ok. Je croyais que tu faisais l'effet de la créature, j'allais dire, putain, il peut faire ça, il peut engager une créature ciblée. Non, ça marche pas. Dommage, ça aurait été bien. Oui, c'est vrai qu'on a joué Mono Red Krasis aussi, bras de pute. En même temps. Quel beau paquet. Ah, il est là. Je vois plus Garachigo. Ouais, ça fait un petit moment hein, que j'ai pas vu Garachigo, mais je le saluerai à l'occasion. Et on salue Garichigo qui nous regarde depuis le Poitou. On lui passera le bonjour, hein. Le salam, comme on dit. Oko Ono, ça me fait penser à Yoko Ono déjà. Et ça me fait également penser à... Merde. Ne pense pas trop, on t'a pas demandé. Comment il s'appelle? Joseph Djorsar, dans la saison 3 de Jojo, qui fait Oh non! Qui est formidable. Oh my god! C'est vrai, en mode grand-père. Ouais, des fois il fait Holy shit! C'est formidable. Qu'est-ce que tu veux faire là, Val? Et je vais te couper un mana, si tu permets. Vas-y. Oh non! J'adore. Allez, donne tout ce que t'as là, j'ai pas le time. J'aimerais bien que tu te manies un petit peu le beignet, si je puis dire. Val, tu vas redescendre tout de suite. Ah, ça va te calmer, hein. C'est bien de faire ça. Salut! C'est le Bronto. C'est le Bronto, c'est un collègue, il paraît lui. Hein. Tout le monde l'aime bien au village. J'avoue, t'as dit que tu concédais sur Oko Tour 2 et t'es encore là, voilà. Oui. Bah j'ai décidé de me battre, j'ai changé d'avis. En plus de jouer des decks pas originales, et il est menteur. Des decks pas originaux, je te ferais dire que 4C Adventure ça n'existe pas et 4C Myth ça n'existe pas. Arrête de te mettre le chat dans la Ah poche là comme à là. chaque fois Et je te et ferai de dire me. que Golgari Adventure avec Costing Beast Sensei, ça n'existe pas. Ouais, d'accord. Il a Mantio. Alors, Alors alors, qu'est-ce que tu alors. casses? À part. Les couilles. J'allais dire des biscuits quand tu t'assois dessus, mais. J'ai vu Val jeter un Kinder Pingouin aujourd'hui. Non, c'était un Kinder Délice. Un Kinder Pingouin aurait bien trop mal vécu dans ce sac. Confonds pas le Pingouin et le Délice, hein, parce que le Pingouin est beaucoup plus délicieux que le Délice. Calme Val. J'ai vu ce que j'ai vu, ok? Genre le mec il a mis un pingouin dans son sac, il faut avoir 10 ans pour faire ça. Quelle connerie. C'est comme prendre un Mars glacé pour aller faire du foot. Putain, j'ai trop de plaies là, Val. Ça casse une couille? Bah je sais pas, j'ai pas essayé. Je vais casser ça, c'est chiant. Ouais, ça a l'air chiant. Ouais. Franchement, j'avoue, même moi là, je suis là en mode, ah, ça me saoule, tu vois. Il me regarde là d'un air patibulaire, je fais ouais, c'est bon quoi. Ah, il bloque, t'as raison. Ouais, j'ai pas trop le choix surtout. Méchant loup, c'est le la némésis de Vraska. Elle peut pas le détruire, et même si elle pouvait le détruire, elle pourrait pas le détruire. Allez, ça part. Non. Je réfléchis. Eh ben, je vais prendre la priorité pendant que tu réfléchis. Non, 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 ça tu feras pas par contre. Je Tu feras subtilise son tour. tout ce que tu veux, mais tu feras pas. Tu feras pas ça. C'est donc de m'empêcher. Comment on gère méchant loup dans notre deck de marde là? Je jouerai peut-être mon deck Meul en stream si j'ai toutes les cartes Joe. Je t'appelais Joe parce que ton pseudo est un peu compliqué à prononcer. T'as pris les trois premières lettres du coup. Oh, les deux premières lettres. Et encore, je pense que j'ai pris Ah ouais, c'est la même pas première lettre à JOE. tort. On en est à combien? On en est à 1-0 dans le deuxième BO pour PF. Ah, il était pas encore copié, bien joué ça.
J'ai cru que tu avais déjà ciblé les deux en fait. J'ai mal joué. Bon, je perds une noix d'or. Je m'en remettrai. Et surtout, ça fusionne la deuxième, donc finalement. C'est pas dégueu. You can't cast géant. Krakos. Krakos. Ok. Je crois qu'on a perdu une vie, on a perdu Raska malheureusement, mais je crois qu'on n'a pas trop le choix. Vas-y, Vol, donne-lui un peu d'espoir comme la semaine dernière. Je vais tout faire pour. Juste un peu d'espoir, pas plus. Allez. Une chouille. Un losing play. Ça, c'est un bon play, ça. En vrai, c'est souvent le play, hein, Krasis T4. Ouais. C'est chiant, mais c'est souvent le play. Ça se prend un géant Krakos, ça. Mais c'est chiant. Le mec dans God of War, ouais. Meilleure blague. Ok. Ah, c'est pas agréable ça. Bah, ça bloque quoi. Ça ne bloque que trop bien. Ça bloque pas les Krasis de 2 fly. Non, ça les bloque pas. Après, faut 10 tours pour me mettre à 0 quoi. Le létal est long. Et quand je dis le létal est long, c'est pas une façon décomposée de dire létal long. C'est dur à dire, le létal est long. Le létal est long. Le létal est long. Voilà, le létal est long. On dirait une espèce. Oh. Ça, vous voyez les enfants, c'est un létal est long. Incroyable, c'est comme le plétil. Le plétil, c'est un petit os, hein, faut le savoir. C'est pas du tout une formule de politesse. Si j'attaque, tu concèdes, Val, ou pas? Essaye, je te montre. Tu vas encore mentir. Je te montre comment on concède. J'ai un Alt F4, mon gars. Je suis à 1 APM par minute. Incroyable. Il est propre. Il est très très propre. Ah, presque. Lelo, 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 lelo. Lelo, 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 lelo. Ah, si je peux faire un play stylé. Facile. Bon. Genre un play shiny, un play qui brille. Ouais. Ou un P shiny, c'est un P de licorne. Ouais, c'est stylé, Nissa, j'anime un land. Toi, je connaissais pas. Oh, mais disons. Tu vois ce que ça fait de se prendre plein de plays dans le même tour alors que le mec a 2 mana? Ouais, ça fait ça. Écoute, j'adore. Genre, vraiment, j'ai envie d'être de ton côté de la partie. Ouais, mais j'ai envie d'être de mien aussi, donc si tu me permets, je vais le garder. Je ne permets rien du tout. Comment est votre létal? Le létal est long. Je vais en servir un Rosmo, vous en finissez. Le Rosmo finit dans 8 minutes, les enfants. Ça va se faire au Shifumi interposé. Eh, j'avoue, hein, comment on fait? Eh ben non, on ça se durera plus le tard. Temps que ça durera. C'est comme ça que ça se passe ici. Bon, c'est pas que ça me bande, mais un peu quand même. Mais qu'est-ce que c'est? Probablement une Nissa. Ah, ok. Je me fais Trix. Et ouais. Bon, je fais quand même. Salut vous, comment ça va? Monsieur le troll. Monsieur le troll. Attention. Tiens. Tiens, mange ça. Tiens, vas-y, bouffe. Bouffe la bête frappée d'amour, là. De toute façon, elle était triste. Le beatdown est présent. Ah, il faut deux verres, mais je me suis fait avoir par ça, parce que dans ma tête, ça fait un verre et tu peux faire l'effet, alors que pas du tout. Ok. C'est pas un géant le troll là? Non, j'ai regardé et je me suis dit putain, si c'est un géant, je ne pourrais plus jamais rien faire. Ah, je sais ce que t'aurais mangé et c'est pas des pâtes. Des pâtes de géant? C'est tes couilles. Oh, j'adore cette main qui arrive comme ça. Je la trouve incroyable. C'est bien. Hein, ah, je dis c'est bien moi. Ouais, c'est pas mal. Eh ben il en a deux. Allez, on repart à zéro. Eh ben bien joué, hein. Ouais, je suis à 4, hein, donc je suis...
suis pas là, quoi. Toi, tu scry 2 par tour, on va dire que tes pioches risquent d'être plus qualitatives quand même. On voit qu'on n'est pas sur une pioche qualitative de ce que je viens de voir. Étonnamment. Mon passé me rattrape. Mon passé d'il y a un BO. C'est bien ça. On fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a surtout. Eh bien c'est mieux ça. Elles étaient pas loin. Alors qu'est-ce que c'est, une petite hydre, histoire de se remettre là, en forme? Ah bah mieux que ça, un troll. Sympa ça. Hein. Comment je fais moi avec ça? Tu m'expliques? Alors t'en as joué deux des géants. Et voilà, on a les droits. C'est déjà pas mal. Bah en vrai la Noir, s'il était resté dans le standard, il serait battu avec... Avec Quador, donc au final on n'aurait pas forcément joué ça en fait. On aurait quand même préféré Wa par rapport à Oko. Je veux pas mettre de stop à l'upkeep pour mon land parce que ça me consomme 5 mana et je préfère piocher quelque chose, enfin essayer de piocher un truc actif et scry en fin de tour plutôt que de m'assurer quelque chose. Si j'avais beaucoup plus de mana, oui. Ça piétine ce bordel là. Ah, c'est le but, voilà. Putain, c'est un vrai bordel en plus. C'est pas un faux lui. Oh yes, je sais ce que tu vas faire. C'est vraiment un play de merde. Pourquoi je fais des plays de merde comme ça moi? Mais en même temps j'ai pas le choix donc. Mais je crois que je suis mort en fait. Tu vas cavalier et full trade? Je sais même pas si ça suffit. J'ai même pas fait les comptes, mais j'ai pas le choix, je crois que c'est mon seul play. Et je peux pas tuer ton troll parce que sinon je meurs, je suis à zéro, vu que ça met 2 PEV. Effectivement, ah, je pensais que t'allais faire ça, j'avais oublié que tu prenais 2 PEV. En fait, ah comme... bah si je prenais pas 2 PEV, c'était le meilleur play. Parce comme, que t'as... Coup, comme t'as pris 2 PEV en fait, avec le land, je croyais que c'était ceux-là les 2 PEV en fait. Je pensais que t'allais payer déjà. Malheureusement, non, ça me coûte 4 PEV pour faire le bon play, donc du coup je fais un semi-play quoi. On va voir, je vais essayer de compter vite fait, il y a peut-être moyen que je moyenne. Normalement, je suis encore vivant, si t'as pas de quoi gérer une de mes bêtes. Est-ce que ça... Non, pour l'instant, ça me tue pas. Ah, quoique, attends, ça dépend ce que tu fais, je sais pas. Ah, chez moi, le compte est bon. Ouais, ça doit probablement suffire. Parce qu'il y a... Toi, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a moyen que je sois à 1. Alors, il y a 14 qui arrivent. Ici, je prends 3. Tu prends, tu bloques 10 et tu gagnes 2, t'as 4. Normalement, il y a tout pile. Ouais, il y a tout pile, effectivement. Bien joué. Au point près. Ouais, je pouvais pas faire autre chose, de toute façon, c'était mon seul pied. Bien joué. 0 tout pile. Ouh, un BO partout, balle au centre. Yes. Allez. Le BO3, le dernier, enfin, ça me fait plaisir quand le Rosmois va en 3ème. Hein. Ouais, ça me fait plaisir également. Plus de pestacle, comme ils disent. Le pestacle. Bon, bah on enchaîne, on est parti. Oui, pas de pause. Hop, j'ai choisi mon deck. Allez, c'est parti, bien joué à toi. Bon chance pour la dernière. Salut Bono Gringo. Salut Bono, comment ça va? Dédicace à tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Vous aviez raison. Putain, j'ai gagné tous les toasts. Effectivement. C'est fou. Oh, c'est vrai, vous êtes 919, mais un énorme merci, vous êtes fou. Vous êtes juste dingue, mais vous êtes dingue, c'est pas possible. Pas possible d'être dingue comme ça. C'est bien ça que tu commences à chaque BO. Hein. Ça m'arrange pas. C'est pas pour arranger mes affaires, quoi. Valendil, ma femme d'or, je vais pouvoir voir la belle en direct.
petit toit. Ça a dû être une manche, elle a dû durer 20 minutes la plus longue. Un petit food. Ouais, la deuxième était beaucoup plus rapide que la première manche. Hein. Attention à pas faire de bêtises, PL. Fais pas de bêtises, Pierre-Louis. Hein. Le chat te surveille. On les postera à la fin du Rosmois, Kameno Timmy. On les a présentés en début et on les postera. Merci beaucoup, Kix, pour le sub. Merci beaucoup. Et le chat qui fait ouf, j'ai fait faire une bêtise. Ok. C'est étonnant que tu joues ce deck. Ouais, bah franchement, 4 couleurs aventure, c'est rigolo, mais contre Simic Food, c'est pas possible quoi. En vrai, par contre, contre d'autres match-up un peu créatures, il y a moyen que ce soit pas trop trop mal. Mais dans tous les cas, ça c'est un peu mon bébé, je suis plus à l'aise avec ça, en tous les cas. Je me voyais pas jouer autre chose. Intéressant. Je réfléchis. Je commence à avoir flou, les mecs. Alors que surtout ça. Parce que je suis fatigué. C'est franchement, le rose mois de lundi, c'est dur. Hein. Ouais, mais c'est cool. En vrai, c'est méga cool. Ah, mais j'adore. Mais genre, c'est pas le moment où je suis le plus focus, quoi. Enfin, où je suis en de meilleures conditions, on va dire. Ok. On est sur des plays d'optimisation. On voit dans le late game là, c'est pas facile. Ok. Salut Windsor Airlift. Ah bah Vesper, ça peut pas être sa faiblesse du lundi, hein. On travaille tous les deux 7h-18h, donc on a la même faiblesse. Oui, Swinky. C'est fort ça. Pas mal quoi. Ok. Comment on peut grinder ce match là? Ok. Je sais pas, c'était très intéressant, mais. Ouais, je suis pas trop fan de ce play. Je voulais t'enlever l'avantage de loi. Enfin, ouais. De l'avantage de mana, quoi. Je me dis qu'Oko contre toi va faire moins le taf, quoi. Les gars, me jugez pas, je suis très fatigué. Je dis pas que Val ne l'est pas, et moi je le suis. Hein.
Enfin, je suis vraiment beaucoup. Ah putain, c'est dur là. Les deux enchaînés, c'est dur. Ok, franchement, elle est dure cette game. Hein. C'est pas du tout gagné ni de l'un ni de l'autre. Hein. Si, si, tout reste un terrain. Hein. Même si vous ciblez votre terrain avec Oko, ça reste un terrain. Même s'il a plus de texte, ça lui change pas sa capacité à produire du mana, quoi. Mais Oko il transforme en 3-3 en plus 1 quoi, c'est tellement pété. Ah bah carrément. Windsor Airlift, c'est Wizard qui nous a donné ça et on a fait un concours Twitter pour en faire gagner 10, qui est déjà passé malheureusement pour les sleeves. Ah, il produit plus de mana, pardon, il garde le type terrain, ok. Tellement dur. Genre, c'est vraiment pété en cours. Je valide. Je valide la pétance de Oko. Franchement, je sais pas, là, je suis vraiment perdu face à Oko. J'ai l'impression que tu le poses, tu mets une bête et j'ai perdu quoi. Pourtant, j'ai ni ça, j'ai un board et tout, mais je me sens tellement démuni. Réfléchissons. Déjà, on fait ce play là. Je peux pas attaquer avec le land si je vais poser mon troll festoyen. Parce que je perds le mana que j'ai eu en l'engageant. Je réfléchis, c'est pas facile encore une fois. Hein. Désolé. Désolé si on prend un peu le temps, c'est normal, on essaye quand même de jouer correctement. C'est The chaud. last BO. C'est chaud, c'est chaud. Donc voilà, on fait au mieux. On fait au mieux. Oh, il y a des rôlistes là, ce que je vois. Tigger Sag. Est-ce que si je mets ces lunettes, ça m'aide à me concentrer? Oula, elles sont bien dégueulasses. Je crois que je suis obligé, mais c'est un peu naze ce que je fais, je crois, mais malheureusement, je suis à peu près obligé de faire ça. Oh, le pauvre. Franchement, je sais, une erreur de design le plus un, je trouve. Le plus 1 de Oko, ça aurait dû être un moins 1 pour équilibrer la carte, je suis Ouais, assez parce d'accord. que là, mes plays étaient différents si c'était un moins 1. Bon, bah, elle reste dégueulasse, mes lunettes. Est-ce que c'est possible? Parce que là, en fait, tu le gères, et si je le ramène, bah, tu le gères. Tu gères à l'infini. Je vais essayer de faire ça, ouais. C'est trop dur. Faut que je puisse quand même bloquer. Sinon, derrière, tu mon Oko. Et ça, c'est quand même problématique. Je peux pas accepter ça. Ah, c'est mieux. Ah Ouais. non, c'est toujours de la merde.
Vous me voyez mieux avec mes lunettes? Moi j'entends moins bien en plus. C'est vraiment le pire play, les lunettes. T'as mis tes lunettes avec le... Ah mais t'as pas le casque là, si? T'es avec le casque? Ouais. Payer el profesor. Je crois que c'est toi, sert à rien en fait. Donc... Bon appétit. Ouf, Ah, ah je c'est porte chaud. jamais de lunettes, hein, c'est des lunettes de repos, sauf que là j'ai tellement mal aux yeux et tout. J'essaie de les mettre, mais elles sont dégueulasses, j'arrive pas à les nettoyer donc. Alors que je les mets jamais, je sais même pas pourquoi elles sont dégueulasses. Ouais, c'est encore le reçoit. Ouais, il est plutôt long celui-là. Le bon troll. Il est sympa lui ce troll, hein. C'est un pote. Ouais, c'est 3-3 pour 6 quoi. C'est pas non plus ouf. C'est quand même pas Ok, mauvais, elle est hein. dure cette game. Il faut une carte piochée là. On dirait. Ah, c'est vrai, avec mes lunettes, j'aurais mon nez patate natif, plus ma moustache, on dirait que j'ai mis un truc pour être incognito là. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est mieux sans casque. Non? Ah non. Ah, c'est toujours la même chose, incroyable. Bon, de toute façon, elles sont tellement sales. Elles sont embuées. Bon, un Teferi de moi, les gars, c'est comme ça qu'on gère les Penzolkers. Putain, on me prête des comparaisons qui font plaisir. On m'a dit un petit air de Johnny Depp. Beau gosse, bagasse. Mode navigation privée actuellement. Activé. Suis désolé, je réfléchis parce que vraiment, les séquences sont pas Vas-y, évidentes. En tranquille. plus, on est en début de méta, donc on a toutes les séquences qui peuvent paraître évidentes le sont pas en début de méta. Malheureusement, hein. Vous vous en doutez. Et imaginez s'il y avait plus de 900 personnes qui jugeaient vos plays. Ça Ça, rend la c'est pas chose plus grave. simple. T'es habitué maintenant. Ah, depuis le temps qu'on stream, qu'on fait les vidéos, on nous juge, hein. C'est pas très grave. Il met les branches au-dessus, genre comment? Sur le co comme ça ou comme ça? Parce que ça va me faire des lunettes, genre comme ça, ouais. C'est pas le but. Le but, c'est que je voie devant. Un petit air de Tuco dans Breaking Bad. Je ne rappelle plus qui c'est Tuco. Tuco, c'est le fou, là. Ah ouais. C'est vrai. Ah, t'as changé une 3-3 pour une 3-3, mais j'ai perdu en land. Ah mais attends, mais j'ai que 3 land là depuis le début. Je me disais Fait aussi. du mana d'Egnol. Bah t'as raison. Ouais, ça a l'air bien. Je crois que c'est le play. Je crois que c'est le play et ça t'oblige à craquer Nissa là si tu veux faire un truc. En même temps, de land, donc bon. Là, je me pensais dans une pire situation. Non, t'es pas si mal, hein. Depuis tout à l'heure, c'est moi qui suis en galère, gros. Ah bon? Ah bah je suis pas bien, depuis tout à l'heure tu fais troll sur troll sur troll, je suis obligé de faire des plays sous-optimisés en fait. En fait, que de top deck le deuxième, ça a mis bien, parce que sinon, je pouvais pas rejouer le premier. Ah oui, bien sûr. J'étais en galère. Enfin, si je pouvais, mais c'était moins fort parce que tu pouvais juste le gérer avec plus 1. Bah là tu peux plus rejouer troll, sauf si tu décides de tuer Tanissa. C'est la seule séquence que je voyais qui était pas dégueulasse pour moi. Ouais, je pense que moins 8 est un play solide quand même, hein. Ouais, je crois que je suis obligé là. Bah ouais. Mais ça m'arrange pas des masses, et je le fais vraiment par dépit, quoi. Ah, il y a une forêt qui s'est cachée parmi les bassins d'élevage. Tout coché. Ce serait con d'en laisser. Tu seras d'accord? Comment?
Ce serait con d'en laisser dans le deck. Non, oui, non, on n'en laisse pas, prends tout. Et là, le mec fait Vrace Terrain. Je fais oh. Fais-toi plaisir, Armageddon. Ah là, je fais Guédon, t'as perdu. Hein. Guédon. Lélo. Là, je me dis, est-ce que je tue Oko ou pas? Ouais, c'est chiant quand même. On a sûrement un autre dans la main, mais. En fait, là, le play intéressant, c'est que d'être sûr de tuer Oko, ça voulait dire que tu n'allais pas me trade la druidesse. Vois ce que je veux dire? À moins que tu aies un spell C'est-à-dire. en main. Mais en fait, si je Ah. mettais que le temple, tu pouvais donner ta druidesse. Mais si Ah bah oui, j'ajoute bien ma sûr. Ah mais druidesse, t'es tu n'allais obligé jamais d'arriver l'autre. bloquer. Ah oui, y a pas de. C'est sûr, y a Non, pas je de pouvais débat sur aussi ça. faire en sorte que tu sacrifies ta druidesse. Puisqu'avec Oko, tu pouvais pas faire moins 5. Et là, tu n'avais aucun plus 1 intéressant contre moi. Tu pouvais que faire un token. Donc j'aurais pu Ouais. genre laisser passer un tour en te prenant une bête, mais. Compliqué. Ah, j'ai mon petit land 3-3, il est bien là. Peut pas être bonus tout de suite. Là, par contre, d'avoir mis des lunettes moches, sales, et de les enlever, là je vends HD du coup, c'est très bien. Ça t'a réveillé? 6 mana. 6 mana, 6. Ça fait une belle hydre ça. Ça fait une grosse hydre, ouais. Enfin bon, elles seront moins grosses que les tiennes, mais. Mais ça fait une hydre. Ça fait une hydre. Une belle hydre en mer, comme on les Est-ce que appelle. une hydre, c'est mieux que deux hydres? Non. Non, non, non. Loin de là même. Je crafte un Grixis avec Bolas et je l'appelle Gloire APL. En tout cas, j'adore le gameplay de Simic Food. C'est le genre de deck, quand vous regardez, c'est comme aventure, vous vous dites, mais ça fait quoi ça? Et quand vous le jouez, vous faites, ah mais ça fait ça! Ah, ça fait ça en fait. Ouais, c'est assez chiant. Après, je pense que si t'as le side adapté, ça s'attaque assez bien. J'aime pas trop les decks qui ont des angles d'attaque faciles. Et en vrai, ça on t'exile tes trolls, c'est un peu compliqué quoi. Ouais, mais ils ont fait leur ETB. Moi, c'est surtout genre je pose une menace qui en plus de rend quasiment mon loup ingérable. Après, si t'as que des sorts d'exil, le deck n'existe plus. Mais il faut que t'aies plein de sorts d'exil. Ouais, bien sûr. Est-ce que mon attaque est worse ici? Si, c'est probable. Ah bah non, il est indestructible, mon attaque est pas du tout worse. Bah, Oh. il se passait rien quoi. Ouais, voilà, il se passait rien. Alors, on a 13 mana. Non. 7 et 4, 11, 12, 13, 14 mana. Ça fait quand même pas mal de trucs, 14 mana. Oui. Bah il faut faire une hydre à 12 là. Sûr? Ah, j'imagine en tout cas. Je suis pas certain, mais. J'imagine. Disons que je pense. En vrai, je peux faire. Tu peux faire double troll aussi. C'est rigolo. Faire ça pour voir. Vas-y, C'est une juste pour bonne voir ce qui carte se ça. passe. C'est une très bonne carte. Ça arrivera quand ça doit arriver. Un méchant loup. Un Wicked Wolf. J'adore cette carte. Oh C'est bah définitivement une carte de dingue. ça va arriver maintenant même en fait. Ouais. Un trolleux. Trolleux avec Wicked Wolf. What? 3 tokens, tue l'hydre, classique. Je comprenais pas. Ce serait la classique. Val, tu m'as déçu. Et je fais ce que je peux, Quentin. Après, c'est que la première. Hein. C'est que la première, vous inquiétez pas. Pas fini. Hein. Je m'avoue pas du tout vaincu. Tu vois, ça me prend un peu de temps parce que j'ai plein de triggers à ordonner. Enfin, pas à Oh, ordonner, vas-y. mais à accepter, cliquer, cibler, refuser. Oui, parce que là, il n'y a pas d'ordonnement, quoi. C'est genre, ok. Je grossis mon méchant loup, quoi. Ah, là, c'est bon. What? J'ai plus de sablier? Ou j'ai. Ah, je crois que j'ai double clic avec la souris, ça m'a passé le tour. Bon, heureusement, j'avais fini, mais. Normalement, on n'a pas de sablier, on n'est pas en mode tournoi. Je Ok. risque rien. Pourquoi le loup meurt pas? Car il devient indestructible en utilisant sa capacité en sacrifiant un token. Je dis normalement, mais méfie-toi quand même. Mais normalement, on n'a pas de sablier. Non, parce qu'on est à zéro tous les deux.
Ouais. Donc, ce serait bizarre. Tu risques rien. De toute façon, depuis le début, on a pris des tours super longs. On a eu des problèmes avant, en fait. Oui, c'est vrai. Comme dans certaines vidéos. On a eu des problèmes plus tôt, ouais. Comme dans certaines vidéos, c'est bien vrai. Ah bah il est là lui. Ah bah vous êtes là vous. Oh, y a un troll qui va devenir 3-3. Ah un loup sinon ouais. Qui va devenir 6-6. Ouais, il va rester 6-6 mais il est plus indestructible et tu peux plus grossir quoi. C'est bien de la merde quand même. Putain. Ce que je suis obligé de faire. Ah, j'avoue. C'est bien nul à Yesh quand même. Oula, et on sacrifie des tef. Ah tu vois, j'avais peur de devoir le gérer, mais non, c'est bon. Renvoie-moi le loup pour voir. Non, ça va. Non, renvoie le temple. Comme ça, je scry 1. Je vois pas trop comment je peux te battre, là. Hein. Ça me paraît... Dès que tu te trouves une hydre, j'ai perdu, donc... Je vois pas trop ce que je peux faire. Genre, je joue Simic Food, et je tryhard avec des méchants loups. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, quand même? En même temps, il faut aussi récompenser un peu ceux qui votent pour moi à un moment donné. Merde. J'en ai marre de se faire éclater. Ok, vas-y. Fin de tour. Ah, j'ai mal joué. Tant pis. Ouais, comme ça, il combo, par exemple, Mr. Hyde. Effectivement, je vois qu'il y en a qui ont les refs. Vous avez les refs de quand on loupe le sablier? Est-ce que vous avez les refs de quand on éclate notre adversaire incroyable? De manière complètement magnifique. Méchant loup, c'est vénère, là. Méchant loup, c'est vénère. C'est de la merde. Ah ouais. Rends de la merde. N'essaye pas. Ah, genre, mon méchant loup, celui qui est actuellement là. Ah, c'est vénère, ça, tu trouves? C'est bien. Franchement, j'ai vu plus vénère, quand même. Attends, déjà, je vais faire ça. Les gars, qu'avez-vous à dire sur une collab avec Raphaël Lévy? Bah, qu'il a peut-être dû vendre la mèche. Qui est la langue trop pendue. Non, bah ouais, on a hâte, ces griffes, on a hâte de faire ça. On l'a rencontré à la Magic Celebrity Cup et on s'est bien marré, donc... Parce que si cool. On s'était pas bien marré, c'était mort. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, genre, c'est vrai. Tu dis ça va, il fait « oui, je ne rigole pas ». Enfin, aucun dialogue possible, tu vois, avec nous. Non, on est fait de rire. Non, je plaisante, Dolores. Et voilà, on a les droits. Alors... Alors ça, tu pourras arrêter de faire des trucs. Ça, je sais où ça va. Un peu, si tu veux. Allez, je m'en fous, voilà. T'es en full sauce là? Est-ce que t'es en tilt? Non, pas du tout. Ah, sur pas du sur la deuxième game du premier BO, j'étais un peu en tilt en mode ah, elles sont belles ces forêts, hein, franchement. J'ai une collection de forêts chez moi, je vous amènerai. J'ai une forêt magique, je te l'ai pas montré. Je te la montrerai. C'est incroyable ce truc. Hein. Ah, j'ai une carte à vous montrer si jamais je gagne. Parce que la question, c'est de savoir, ok, entre Val et moi, ce soir, qui est l'ours? Je vous bah dirai ça, pourquoi. On saura à la fin, en fait. Hein. Ah bah oui. Bah, ça, c'est sûr. Ok, je rampe, ça me va. Enfin là... L'opportuniste. À ce niveau-là, je crois qu'on s'en cague un peu de ta rampe, là. Je crois que t'étais bien, quoi. Si j'avais attaqué avec la druidesse, elle mourrait, j'aurais dû faire ça. Oui, t'aurais dû tuer ta druidesse, très important. Bon, est-ce que je peux piocher une carte active? Chut, bordel mal. De cul, s'il vous plaît. Voilà. Non mais merde quoi, un moment. Merci à beaucoup à Baharod pour le sub. Il a combien de TF là? Le troll. Il a 1. Écoute, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir, je vais tout donner là. Est-ce que tu ferais comme notre ami Doncho, tu mettrais tout dedans? J'ai mis tout dans Val. Ah, ça c'est un top deck, c'est comme ça que l'on dit. La forêt magique me fait rire, réveil de la femme, fin du rire. Sorry Baptiste. Je crois que c'est toi qu'on avait fait rire aussi une fois, Baptiste 182. Et qui genre avait également... Dit, c'est toi, c'est toi. C'est toi. En train de le blâmer, le pauvre, il t'a rien fait. Non mais on avait fait rire un viewer un jour, et il avait réveillé sa femme, et il s'est fait mettre un saint franc. Du coup, peut-être femme que c'est toi Baptiste. Vraiment quoi. Ouais. Il dit qu'est-ce qu'on fait ce soir? Lui il fait bah y a l'horoscope si tu peux. Elle fait merde. Et elle va se coucher. Elle vénère. Plus dehors. Et
Et du coup, il est content de dormir dehors. Faux. C'est pas vrai. Après le dormeur du Val, je mets tout dans Val. C'est pas un poème, mais il y a 2-3 rimes quand même. C'est bien les 10-10. Hein. Écoute, c'est sympa, j'ai un létal en deux tours là. Ça peut popper de n'importe où, n'importe quand. Fais attention à toi, mon gars. Tu sais que je peux la transformer en 13-13, mais la clouer au sol. Fais attention à toi, je te le dis. Moi, je joue Splaf, mon gars. Ça peut partir. Hein. Eh, je sais que la seule couleur que tu joues pas, c'est le rouge. Si, il y a les alertes voilà, subs PL normalement. Et merci beaucoup à tous les subs, à Bambi Nouillet d'ailleurs. Merci beaucoup pour les subs. Peut-être qu'on a loupé des subs tout au long du Rossmois, c'est vrai qu'on se concentre un peu. Le but étant de se rosser cordialement dans le beau jeu, donc on essaie quand même de jouer plus sérieusement que d'habitude. Et du coup, forcément, on y perd un peu en animation. Et en remerciement pour tous vos subs et votre soutien. Et il va me mettre un loup qui va sacrifier 8 nourritures pour tuer ma Krasis. Je t'emmerde, PL. Voilà, sache-le. Je suis obligé de t'en arriver à ses extrémités. Mais il n'y a pas de problème, voilà, regarde. Parce que là, si je veux, en plus, je paye du mana à chaque fois. Et... Mais quelle horreur! Et je te laisse deviner ce qui se passe, quoi. Mais je vais pas le faire parce que je te respecte un minimum, voilà. Enfin, je te respectais jusqu'à ce sort. Bon, faut pas que je me loupe là. Il est 4-4. Bah, te loupe pas, il suffit juste d'en sacrifier 6. Si tu veux, je te fais les calculs. Ah, c'est parce que chaque fois, je dois refuser piste de miette et faut pas que je refuse le mauvais truc. Refuser. Bah, bien joué. Hein. C'est un top deck ou. Bah, j'avais déjà. Il était une fois, donc je l'ai juste joué. Et... Ah oui, ok, ça va. Oui. Excusez-moi, je suis fatigué. Je prends un peu de temps pour être sûr de pas me louper parce que si ça me coûte la game là-dessus, ça fait vraiment chier. Parce qu'en plus, il pardonnera pas à l'autre en face, là. Je le connais. Ah, j'essaierai de pas pardonner. Hein. Franchement. Bon, j'ai compté, faut que tu les sacrifies tous. Sauf un. Mais tous. Confirmé. Excusez-moi. Ouais, c'est toujours la première manche du dernier BO. Il y a plein de viewers qui vont s'endormir et qui vont pas pouvoir rester jusqu'au tirage au sort. Sorry. Désolé. Refusé. Je me prends un warning pour ça. Non, mais non. Pierre-Louis, il va pas appeler l'arbitre, là. Qui est l'arbitre, d'ailleurs? Ah, viens, venez les viewers, je fais 9-9, comme ça, ça dure encore plus longtemps et on s'emmerde. Non, Nalak, tu peux pas voler la Krasis, elle a la boîte 0-0, sa force sur le board est de 10. Il faudrait pas fumer non plus, quand même. On va pas rendre Oko plus gamebreaker qu'il ne l'est, s'il te plaît. Tiens, pour moins 5, je te prends ta Krasis 10-10. Bah, non. Non, c'est un plus 5, même. Venez, on met que des plus. Non, non. L'ulti, c'est un plus aussi. Oui, c'est... Ouais, c'est... Bah oui, il a pas de moins, il a pas de défaut, hein. Ah bon, il n'y a pas de défaut. Ces triggers là. Je suis désolé. Il est minuit 27 à la réunion. Non, mais en vrai, 22h27, c'est encore tôt, ça va. Ça va. Refusé. Je refuse. C'est encore tôt, Maltese. J'irai me pendre pour cette vanne. Oui, vas-y, Val. Ouais. Résolution. Je peux gagner à la meule si je tiens assez longtemps. 30 à 29, ouais, enfin. Attention, faudrait voir à pas jouer des Krasis. Ah, je vais jouer autour, t'inquiète. Je vais juste oko tout ton board, rester en bloc et attendre. J'ai un play, hein, vraiment, j'ai un game plan, je te le dis. Et je n'hésiterai pas à l'utiliser. Ah, ouais. Je vais pas pouvoir oko. Poussez-vous. Allez, ça dégage, on a des trucs à faire. Et moi, ça m'arrange quand c'est au cimetière, Val. Bah, je sais, ouais. Ça revient. Enfin, ça revient, là, ça part venir tout de suite. Hein, mais... Ça n'a pas pardonné, quoi. Oh, s'il te plaît. Roche. Oh, il y a la voix fatiguée. Roche. Oh, c'est pas mon signe. Roche. Oh, allez, Oko, il est mort, tiens. Vive Oko. Ouais. Oko est plus là. Bon, après, ce n'est que le premier d'une longue lignée. Alors, 2, 3 et 5, 8. Allez. Ah, ben voilà, elle est là, la Krasis. Là, j'avais Druides. Ouais. Les copines. Pas grand-chose, je crois. Ouais, timide la druidesse. Elle est timide ta Krasis. Ça ouais. Va, hein, fait le taf, moi je trouve. Après, j'ai mis un loup, j'ai fait plein de trucs. Oh là là. J'avais prévu d'aller regarder Viking avec ma douce. Si tu pouvais m'éclater un peu plus vite, ça me ferait plaisir. Il te suffit de concéder, voilà. Fais échappe, concède. Je ne concéderai jamais, sache-le. Mais tu le sais. Elle te manège. Tu le sais en plus que je ne concède pas ça. Oh, je suis sûr que même toi, tu voudrais pas gagner sur ça. Dans mon état actuel, là, tu conseilles, je te remercie. Je te fais un très gros bisou demain. Je te roule une pelle, Val, si tu concèdes maintenant. Allez, prends une pelle.
Ah, une pelle l'objet, hein, je la prends, je la tourne comme ça, quoi. Ouais, je peux plus me battre, vas-y. Bien joué. Yes, il est fatigué, il veut voir Viking. C'est bon, on va voir. Non, 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 pas du tout. En vrai, j'ai pas top decké, de quoi faire du sale. Ma douce n'est pas là, je peux jouer toute la nuit. J'ai pas réussi à faire du sale, donc tant pis pour moi. Putain, comment on side? Alors, on side pas, c'est de la merde. Faut pas sider. Alors. Bon, bon, bon. Oula, m'a crié dans le dans les oreilles, tu m'as fait peur. Je t'ai réveillé là? Ça t'a fait tout drôle? C'était le but. Oh, je mets tout val en fait. Mets tout, mec. Ne C'est bien. réfléchis Ils sont bien pas. ces Quand tu sides, il sais faut pas juste quoi tout mettre. faire, gros, tu rentres les 75, tu mélanges et t'espères piocher des landes. C'est un bon site, ça. C'est un deck noir blanc vert. Non, noir blanc bleu. Espère piocher des landes. Ouais. Ouais, merci pour cette vanne. Je C'est serai en tournée dans toute la France à partir du mercredi 4. Mais gros, je suis N'hésitez pas à fatigué, venir il me est voir à Reims. 21h30, ça fait 2h30 qu'on joue les decks de l'enfer. Je peux pas rattraper toutes tes vannes, Stop gros. it, please. Moi, tu m'as laissé mourir avec les miennes tout à l'heure, je tiens à préciser quand Je suis désolé, j'étais en train de mourir moi-même, je peux pas tout même. faire. T'as fait comme si tu me connaissais pas, je m'en souviens. Je vais continuer, ça ne dérange pas. Alors. Putain, mais qu'est-ce qu'il joue? En fait, je peux pas enlever les cartes de mon deck, je crois que je vais partir Gros, je joue de la merde. à Constate. 70. Si tu sais pas ce que je joue, pense que je joue du caca. Et si t'as un doute, tu fais un ratio de la puissance de tes cartes et tu side les plus mauvaises. Je te le dis à chaque fois, je me répète, j'ai l'impression. Et je sais pas trop les mecs, donc j'enlève ça. C'est peut-être une erreur, je sais pas. Voilà. Première Prochain balle de ressort avec match. aggro only. Ah bah ouais, vous irez vous coucher plus tôt du J'ai coup. deux balles de match, les gars. J'ai deux matchs. Sur les deux matchs qui arrivent, il faut que j'en gagne Allez, une. crois en toi, tu sais Oh quoi, là je suis là. avec toi, Zig Ciel. Seagull 5 qui donne 10 Bonne euros. Merci décrise. beaucoup. Merci beaucoup. Il fallait Merci le beaucoup tuer, la pour le pauvre don. bête Je suis avait avec toi, fou. empoisonné. Donne tout. Je suis avec toi, mais je vais pas t'aider, hein, par contre, sache-le. Hein. T'as décidé tes landes, c'est une bonne tech aussi. Hein. Toi qui as peur d'en piocher trop. Toi qui as peur. Ah, merci Shiny pour le petit Genkidama. Écoutez, tous ceux qui me soutiennent, si vous pouvez envoyer un petit Genkidama dans le chat, ça me permettrait peut-être de faire une remontada. Et ça serait plutôt sympathique. À moins qu'il y ait seulement deux viewers avec moi dans le Je chat. C'est préfère probable déclarer un aussi. mulligan à 5 si ça te dérange pas Val pour cette game. Ça me dérange pas du tout, on aura une troisième game. Ah, il y a Raphaël Lévy dans le chat? Non. Ouais, je l'ai vu, il est là, il est là. Oh, Salut à toi. bonjour. Comment vas-tu? Ok, ça c'est bien. Ah, les petits Genkidama, ça fait Putain, il vient plaisir. voir Alors, des par gameplays contre, pour incroyables, le le sorcier. Genkidama, c'est pas un P, c'est un O. C'est pas un prout. Hein. Ah, je sais pas si je devais le faire en fait. Oh, si. Oh, le Genkidama, vous avez donné toute la force à Val, il va m'éclater. Je leur ai dit, j'ai moula 5, hein. Comme ça on pourra pas m'en tenir rigueur. Moi, je. Vraiment, est-ce que je t'ai donné l'impression d'en avoir quelque chose à faire? Ah, je Petite sais que t'en as rien à information. foutre, hein, mais. Oh putain. Sache-le quand même. Tout ce que je voulais, pas au coup. T'as de la chance quand même. Hein. Tant que j'aurais pu prendre 2 PV dans ce match-up, j'ai peut-être fait de la merde. Elle a fatigué dents. Ouais, j'écoute, je prends tout ce qu'ils mettent, Val. Shake espèce carte bleue. Ah non, c'est pas ça. Alors, ça, c'est pas ça. Ah, je connais pas Yoko Tsuno, Démon Blanc. Je disais Yoko Ono tout à l'heure. C'est la femme de. De John Lennon. John Lennon, merci. Ah, Beatless. Un scarabée? Bon, bah, je continue sur les powerplay, hein, ça te dérange pas. C'est puissant. Hein. Ça a l'air puissant ce que tu fais. Je Franchement, je fais suis assez land, land, impressionné. land. Land, land, Land. troll. Je savais que je pouvais compter sur toi pour me faire gagner la deuxième game. T'es là pour le beau jeu, tu veux faire une game de plus, c'est ça? Fallait me demander. Oh que non. Non, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher là. Écoute, tu permets? Je te propose une Nissa.
Elle est là, hein. On est là, posé. Elle, je sais bien. Je faisais genre de demander, mais en vrai. Ouais. Et la fin de tour. J'aurais dû rentrer cavalcade pour mettre les points à distance. Prends un Landeval. Ouais, Putain, c'est après pareil. Side, il était une fois, c'est pas très bien. J'ai bien fait d'en sortir. Parce qu'en fait, comme on rentre des rituels, des éphémères, on a quand même moins de potentiel de trouver ce qu'on cherche, quoi. On dirait c'est normal, hein, mais. C'est un petit peu chiant, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Si Vesper, on a pensé à faire des trucs comme ça, mais en fait, pour tout ce qui est mis en place et tout, même si ça paraît peut-être pas grand-chose pour certains, c'est dur de. On met déjà des trucs en place en fait que vous voyez pas, donc petit à petit on améliore, on propose des trucs gradés en qualité, en quantité, etc. Mais on y va tranquille, t'inquiète pas, on y arrivera. J'ai l'impression que ça fait 2 fois la Capadroska, c'est très désagréable. Vous êtes désagréable. Comment? Vous êtes désagréable. Ah, je suis désagréable. Non, non. Je fais ça comme ça. Mais oui, c'était désagréable, voilà, effectivement. En plus, tu te décentres un petit peu, il faut que je remette ta cam. Ah ouais? Ah, attends, je vais me Ah, sinon, recentrer hop, là, je t'enlève et vous avez un bon fond d'écran, là. Voilà. Voilà, je prends, je crois. Tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, ça m'intéresse pas. T'as offert ulti, Tef. Et non. Il en a pas. No tiene. Bon, je prendrai Nissa là sur ton T5. Ouais. Ouais. Classique. Clasque. Écoute, je vais pas te mentir, tu vas emporter une oie dans cette attaque. Hein. Ouais. Je Attaque crois en cas où. que. Ouais, non, mais t'as bien raison de tenter, hein, mais. Mais je suis pas trop d'accord, si tu veux. Ouais, on va faire ça des mobs. Et il se bat. J'ai puni ça. On va gagner du temps là, de toute façon. Je suis Ouais, gagné ça à paraît 5, compliqué. j'étais derrière Ouais, déjà j'ai tous mes largement. planeswalkers qui sont chargés. Je vais juste monter Vraska dans son ulti et on va gagner comme ça, je pense. Enfin, on aurait tenté de gagner comme ça, en tout cas. Ouais, du coup, après Side, il était une fois, ça touche quasiment plus rien, mais j'ai quand même envie de le garder. Je suis un peu mitigé sur le fait de rentrer beaucoup de non-créatures après Side. Quand tu joues, il était une fois, ça pose quelques problèmes de mathématiques. Et tu sais que j'aime bien les mathématiques, donc. Je sais pas trop. Ah mais j'avais un side Ouais. en fait, j'ai pas vu. J'avais mis des cartes de side et. Allez, la finale. C'est parti. Deuxième balle de match. Putain, j'espère qu'il va y au moins y avoir match parce que perdre sur Mulligan à 5 et Prout, ce serait très dommage. Et vous voyez là du coup cette main, j'ai une mauvaise appréciation à cause de la game qui vient de se dépasser là. Le climax est total. Je suis complètement d'avis avec vous. Même moi, je suis en climax là dans ma tête. Ah, je suis climaxé à fond. Ouais, je suis complètement climax et c'est exactement ça. Celui qui gagne celle-là, il a tout gagné. Bah ouais, c'est exactement ça. Tu as résumé The ce qui est en train de winner se passer. takes it all. Tu as résumé ce qui est en train de se passer, ouais. Qui perd gagne.
T'as trouvé Oa avec. Ouais, j'ai trouvé Oa avec qui était une fois. Bien joué. Là, c'est un Genkidama pour moi, les gens. Ouais. Ok. Merci le chat. T'as un petit Genkidama, ouais, t'as un petit Genkidama en bonne et due forme. Allez, je peux le faire, je le sens là. Bah, c'est pas très dur, à vrai dire. Alors. Ok, un bon land ça. Le chat me fait rire. C'est tendu dur, là. C'est dur d'avoir perdu tes 3 quand même. T'as perdu sur Nissa. Ah, je peux pas. Sur Nissa. Ah, j'ai perdu sur. Je sais pas mon. Sur. Tu misses le land drop au tour 3. Ouais. Ouah, tu remets pas dedans. Tu peux pas là. Non, non, il fallait land. C'était. D'accord. Et j'ai le pioche aucun land avant le tour. Bah maintenant. Ouais. Désolé, ça me fait pas spécialement. Si jamais je dois gagner celle-là de cette manière, c'est pas le kiff. Hein. Sachant que celle d'avant était un petit peu dans le même bail. J'ai pas perdu sur ma main gardée parce que un land en fait c'est différent. Là, sur un land il y avait pas Nissa en fait sur table. Donc. Est-ce que t'avais un truc pour chercher un land sur ta main? Non. Non, mais en fait juste un land sur mes 3 draws, ça faisait qu'il y avait pas Nissa quoi. Je vais la jouer, mais. Bah non, je vais pas concéder et Pierre-Louis, il a absolument pas envie de gagner sur une concession de ma part, c'est à pau quoi. Il y a plein d'autres Osmois, il y en a 52 par an, je peux vous assurer qu'ils vont gagner d'autres. Hein. Je vais la jouer pour vous le chat, mais elle est perdue quoi, malheureusement. Le side là qui fait pas plaisir du tout. Ah ouais, c'est dur. Non, mais je suis pas démoralisé, c'est juste que je réfléchis beaucoup, je réfléchis à tout ce qui peut ouais, me sauver. Mais déçu, ça fait 2h30 qu'on tryhard. Le perdant ce soir, que ça soit PL ou moi, elle fait mal celle-là. Attendez, hein. Ouais, c'est bon. Ouais, deux dernières games, ouais. Bah, ouais. Et je vais ouais, respecter de ma vie. À fond et je vais jouer mon match à fond, hein, c'est normal. C'est. Ouais. Bon. Ouais, je vais enlever troll du coup. GG. Ouais, en fait, je perds. Désolé le BO sur full là, sur le premier BO. Et dernier BO, bah, je fais moule à 5 et la death. Enfin, j'ai pioché mon land, mais trop tard. Donc, malheureusement, je ne peux rien ouais, faire le chat, mais je me suis battu pour vous. GG Val, du coup, franchement, c'était un très très beau rossement encore une fois. Ouais, c'était et, cool. Et dommage, tu vois, qu'on ait tous les deux un deck un peu moins ouais, sûr. Ouais, on parce s'est que... fait plaisir avec Adventure et bon, c'était histoire de tester une mécanique eldrénienne, quoi. Et il aurait fallu qu'on se rencontre avec le deck Aventure, ouais, je pense. Ouais, ça aurait été peut-être mieux. Ça aurait été plus intéressant parce que là, du coup, la 2, enfin la 1... J'étais persuadé que t'allais ouvrir avec Food et... La 1 était one-sided et la 2 aussi, en fait. Genre la 2 était one-sided. Après, en vrai, je pense que ça soit ton deck aventure ou mon deck aventure, il y a des trucs à faire aussi, hein, quelque part. Y a... Bon, je pense que ma version de Naya contre Foot, c'est quasi ingérable, mais ta version d'aventure contre ce que je jouais, il y avait possiblement match, quelque part. Ouais. Mais c'est coup, pas. Ouais. Tirage au sort de la boîte. Alors, je prends le petit livret de commande.
Alors, Putain, il a normalement. été long ce moins. Putain. Et surtout, n'oubliez. J'ai plus de voix. Oula, Je surtout, suis n'oubliez mort. pas. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle Ciao, magie. ciao. Ciao. Restez pour la pub si vous voulez nous soutenir. Merci.